Ouais, si c'est bon. Ouais, si c'est bon. Yo, comment ça va? Ah, toujours de la bonne musique ici, moi je vous le dis. Je m'attendais pas à ça. Monkey. Ok, avec le monkey après, ça s'attendait ça. Comment ça va, Yuma? Oups, j'ai glissé, chef. Ça t'a fait tomber ta barre en métal encore, là. Allez, ramasse-la. Ah, mais tu as encore fait glisser tes mains? Oh, merde. Ah, merde, non. Putain, c'est vrai que mon voice... C'est vrai que mon voice mode... Si j'active mon voice... Attendez, quoi? What? Ok, espèce de truc bizarre. Faut que j'aille régler ça plus tard. Mais ouais. Ramasse est lourde. Ah, ah merde. C'est compliqué, vous savez. Bref, est-ce que ça va? Est-ce que moi je vais bien? Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, mais. Mais j'ai réfléchi à pas mal de trucs. J'essaie un peu de gérer 2-3 machins que je dois faire pour demain. Il faut un peu chier, mais je dois faire. Et j'ai une conversation avec 3 personnes, enfin plutôt avec une personne et plus tard avec 2 personnes, à propos du même sujet. Et étrangement, voilà comment ça s'est passé. Avec le premier groupe, enfin avec la première personne, on va appeler ça le premier groupe, le groupe A, en gros, j'ai parlé du fait, on a parlé de l'action dans les animés, dans les mangas, donc Jujutsu Kaisen, Blue Lock, Aoashi, Record of Ragnarok. Et tout de suite, on s'est mis d'accord sur le fait que le manga est bien mieux, les 3/4 du temps, que l'animé, par rapport à ce qui se passe. Jujutsu Kaisen est une exception parce que, que ce soit l'animé ou le manga, dans les deux cas, ils sont quand même giga stylés, giga cool. Par rapport à Aoashi, par exemple, Record of Ragnarok ou Blue Lock, on s'était mis d'accord sur le fait que très clairement, c'est juste de la promotion du manga. Et que le manga, en fait, reste mieux, reste plus intéressant. Et là, avec le deuxième groupe avec lequel je viens de parler, la discussion a été complètement l'inverse. Où, en fait, c'était... Non, je vais pas faire chier à lire le manga, c'est trop chiant, je suis pas là pour lire. L'anime est déjà assez bien et tout, c'est une ambiance avant tout, t'as les musiques, t'as les voix, voilà, c'est bien mieux, etc., etc., c'est bien dessiné. Et j'étais en mode, mais non, putain, vous en rendez pas compte à quel point est-ce que vous passez à côté de quelque chose? Et non, en fait, les deux personnes étaient en mode, non, mais pff, t'es juste celui qui lit les mangas, quoi. Tu veux faire le mec intéressant, qui fait genre, il connaît le vrai truc, la vérité, alors que pour de vrai, l'anime est déjà bien. Et moi, au fin fond de moi, je me dis, mais... C'est terrible. En fait, il y a 2-3 trucs que je comprends pas par rapport à certaines personnes, c'est que réellement, ils se contentent de l'anime. Alors que ce qui se passe, c'est que tu vois, si l'anime t'a vraiment plu, tu lis le manga. Vous voyez ce que je veux dire? J'en sais rien. Par exemple, Spider-Man. Tu peux dire, je suis giga fan de Spider-Man et tout, genre les films et tout, incroyable. Tu joues aux jeux vidéo Spider-Man, et à la fin, tu te dis pas, attends, j'ai jeté un coup d'œil aux comics, voir si c'est différent, voir comment c'est. Parce que là-bas, c'est le comics de Spider-Man. De base, c'est les comics. Il y a tellement de trucs, il y a tellement Spider-Man, entre Spider-Chat, Spider-Dino... Le Spider Cowboy, etc. Tu dis, putain, il y a plein de machins. Et non, en fait, les gens, ils vont pas chercher derrière, en fait. Ils vont juste se contenter de la chose actuelle parce que c'est le truc de mode. Et moi, je suis en mode, putain, mais... En fait ça m'en déçu pour les personnes comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils se voilent la face, en gros. Qui, genre, ils voient que le chose de façon superficielle, de façon extérieure, sans entrer dans le vif du sujet, quoi. Sans voir le truc profondément. Et moi, je trouve ça giga sad. Moi, je me dis, putain, mais... C'est pas des vrais fans, en fait. C'est pas des vrais fans où... Ils cherchent pas la chose réellement, ils veulent pas en savoir plus, ils se bloquent, en fait. Et pour une raison complètement conne, qu'ils sont juste, en fait... Paresseux. Ils sont juste paresseux de pas chercher la suite.
Et je suis en mode, bon bah... Ça me rend giga triste pour eux en fait. Alors réellement je me dis, putain mais... Ils passent à côté de l'essentiel de l'œuvre. Alors qu'il y a les trois quarts des animés, réellement, c'est juste pour promouvoir le manga. Plus que de montrer un animé stylé. Genre les trois quarts, hein, vraiment. Sous c'est pas le cas, réellement ça se compte que sur les doigts. Hein. Un vrai fan soutient ce manga en regardant et en lisant pour voir les détails différents points de vue. Ça dépend du... Oui, ça peut aussi, ça peut aussi. Ça peut aussi, oui. Je sais que par exemple, la Sumo of the Elite, je suis allé revoir l'animé vite fait ce matin. Pour voir les différences avec le manga. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on avait lu, tout le chapitre qu'on avait lu sur ce tome dernier, qui est genre toute l'aventure, en gros, ils sont dans la piscine, ils font un match, les mecs essaient de faire un plan pour mater les filles dans les vestiaires, et en fait, ça marche pas du tout, parce que voilà, Enekoji les a pris... avaient en fait toute raison à l'interne. Et dans l'animé, en fait, à la saison 1, ça se passait ça. Et en fait, à la place, c'était pas Kiryuzawa, c'était Orikita qui est allé dans le vestiaire des filles, qui a tout niqué le truc. On voit même Sake Enagi beaucoup plus, la chef de la classe A. On voit même beaucoup plus Manabe, le président des conseils, etc. etc. Il y a une grosse différence, en fait, entre l'animé, le manga et le light novel, la Sumo of the Elite. Je regardais ma chaise, j'ai les 33 tomes chez moi. Yes, yes. Oui, t'es épisodes en plus. Oui, aussi. Et Macha, il n'y a pas trop de différence pour de vrai. Dans l'animé, il y a 2-3 moments où c'est un peu des fillers, quoi, des trucs inutiles. Comme dans Black Clover, par exemple, ou Bleach, ou One Piece. Mais voilà, overall, c'est des trucs qui servent trop à rien, mais qui à la fin, tu vois, limite les fillers, c'est bien en fait. Limite les fillers, c'est bien en fait. Vous savez quoi, je vais dire un truc. Ça va énerver les gens, mais les fillers, c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous donne plus d'aventures, ça nous donne plus de choses à voir, à rencontrer, à apprendre, en fait, par rapport à l'œuvre. Alors que dans le manga, on l'a pas, parce que c'est un filler dans l'animé, donc c'est sûr que dans le manga, on l'a pas. Mais ça veut dire que on a donc plus d'aventures de l'œuvre, et donc faut s'en réjouir, faut être content. Et Yuz Laban, comment ça va? Tranquille ce soir? Et donc, avec ça, je me dis, les fillers, c'est bien. En fait, les fillers dans les animés et les mangas, dans les animés, c'est bien, en fait. Si vous êtes vraiment fan du truc, vous regardez les fillers, en fait, d'un autre œil, alors. Par exemple, dans Fairy Tail, moi, avant, j'étais grand fan de Fairy Tail. Bon, je suis encore un petit peu, mais pas de la saison d'avant. Là, maintenant, dans le manga, qui est les 100 Year Quest, là, c'est plutôt stylé. Très controversé, ouais, je sais, très controversé, mais j'explique mon point de vue. Et donc, par exemple, avec l'exemple de Fairy Tail, il y a un filler dans les 2 ans d'après, où genre la guilde va voir les Horatian Seis, qui sont genre 2 ans plus tard, avec genre une fille qui en fait se dit être la sœur de Lucie, mais en fait c'est complètement faux. Et bah, ça dans le manga, il y est pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'animé, enfin ce filler là dans l'animé, était tellement bien accueilli, qu'ils ont dit dans le manga, ah bah en fait, ça s'est vraiment passé. Genre, vous en rendez compte? Vous vous rendez compte ou, du truc? Genre un filler tellement bien que le manga il s'est dit, bah en fait c'est canon. On l'a pas fait, mais c'est canon en fait. Et voilà, et ça, il y a des trucs qu'il faut se dire. C'est un peu fou, mais genre ça existe. Et donc, comme je disais auparavant, les fillers c'est bien, parce que si vous êtes vraiment fan de la licence, vous pouvez voir plus d'aventures de vos personnages favoris, de votre franchise favorite. Et donc, faut voir ça d'un bon œil. Genre, je suppose que les gens qui sont fans de Bleach, parce que je crois que c'est Bleach qui avait les plus gros fillers du monde, il y en avait certains qui puaient la merde de fillers, ça c'est vrai. Les fillers ou genre qui sont juste, ah oui c'est l'aventure du petit connard, le petit ours en peluche, non, le petit lion en peluche qui fait de la merde à gauche à droite, c'est sûr que là, on n'a pas grand chose d'intéressant. Mais lorsqu'on a des trucs comme à la Fairy Tail par exemple, comme j'ai dit auparavant, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Je pense que les fillers, ça peut être très bien, réellement. C'est l'exception qui confirme la règle, cet exemple. Ouais. Pour Dragon Ball aussi, Broly est devenu canon comme ça. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le film Broly, de base, ils étaient en mode... Même le film Résurrection de Freezer, là, où il se transforme en Golden, et bah, de base, ils étaient en mode, oui, bon, on fait un film et tout. Et le manga s'est dit, bon, en fait, ça, il s'est passé ça, vous en souvenez, quand on a retué Freezer, etc. Putain, c'était marrant, les gars. Le manga, ils ont dit, c'est réel. Ça s'est vraiment passé. Il y avait un arc super intéressant sur Bleach. Ah oui, putain, oui, cet arc. Ah oui, cet arc de Bleach où les Zanpakuto prennent forme humaine et se retournent contre les utilisateurs. Oui, ça, ce killer-là, il était giga cool. Ça, encore une fois, un exemple. Vous voyez, genre, il n'y a pas que de la merde. Il n'y a pas que de la merde.
Et c'est cool. C'est des fillers qui sont cool. C'est des fillers intéressants. Genre réellement. on peut pas dire le contraire parce que ceux qui n'ont pas apprécié ça, c'est alors à ce moment-là réellement des comment ça s'appelle? Des puristes du manga à ce moment-là. Sauf que je reste à l'avis que dans 95% des cas, les fillers c'est pas ouf. Ouais, mais ce qui se passe, il faut se dire que les fillers ne se passent uniquement que sur des gros animés à chaque fois. Ça se peut, il peut pas avoir de fillers sur des petits trucs. Sur des animés de saison, par exemple, actuellement, vu que maintenant ça se passe par saison, ça n'existe pas. Ça. Parce qu'en fait, ils peuvent pas, en fait, littéralement. Ils peuvent pas. Pas toujours, j'ai des exemples. Oui, mais il y a toujours des exemples, genre. Black Clover, je crois que c'est celui qui a les pires fillers. Si je dis pas de conneries. Je crois que dans Black Clover. Comment c'est passé? Il y avait un chapitre où, genre, il devait monter. Monter, quand ça s'appelle? Une espèce de montagne pour un entraînement à la con. Dans une espèce de volcan, ça servait à rien. Ça a pris 3-4 épisodes à un moment, ça nous a rien avancé. Beaucoup plus tard, ils ont fait l'inverse, en mode bon, ça si on descend aussi la montagne, 3-4 épisodes en plus, ça va à rien non plus. Voilà, ça par exemple, des fillers qui ne servent à rien du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça ferait comment sur les petites adaptations de light novel, vu que le livre est fini, bah le reste c'est des fillers. Ah bon? Adaptation de light novel. T'as un exemple de ça? Parce que la plupart du temps, un light novel, c'est pas juste un tome. Par exemple, là, Castromosie Elite, 3 tomes, ça fait la saison 1. Genre réellement. Donc, alors qu'il y a au moins 30 tomes, même plus. Améphorie, je crois le nom. Ah, attends, je crois que ça me dit rien du tout. Améphorie. Améphora? Améphora plutôt, non? Améphora, c'est pas l'espèce de meuf qui vient qui vit maintenant dans un automé game et tout? Là, j'ai pas maté. J'ai pas maté. Ok, des fillers là-dedans. Très bien. Ok. Konosuba dure que 10 à 11 épisodes. Alors, ça aussi. Il y a un truc comme ça qui s'est passé pour Konosuba, mais il y avait une raison pour laquelle il n'y a que 10 à 11 épisodes. Et je crois que c'est bien parce que le light novel fait... Non, je crois que c'est parce que l'anime, en fait, a fait de la merde. Je crois que c'est parce qu'en fait, l'anime, la saison 1, a voulu trop prendre, et c'est parce qu'il y avait trop rien pour la saison 2, donc après, ils ont fait des fillers qui ne servent à rien. Je crois que c'est ça ce qui s'est passé. Ils ont genre un peu fait de la merde, en fait. Ils ont un peu fait de la merde, en fait. Naruto, c'était terrible, le nombre d'épisodes inutiles, genre 50 épisodes qui servent à rien. Je crois que... Ouais, en fait... Le livre est cool au début. Ok. J'ai plus commencé exactement pour Naruto. Je sais que pour Naruto, il y a l'épisode où genre, il rencontre un espèce de prêtre qui est aussi une partie de Chiyubi en lui. Réellement, pourquoi? Réellement, pourquoi? Konosuba qui subit un énorme drama. Putain, je sais pas, sur quoi? Konosuba drama. Un drama CD, non, pas ça. Problème. Ils ont trop annoncé de Konosuba, oui, ça, certes. 18 juillet, quoi. J'en sais rien. Ça fait argent, j'en sais rien. Le jeu mobile est 4 chasses. Ah, ok. Un truc dangereux. Ça, ce qui se passe, ça, c'est encore un autre sujet, ça. Ça, c'est encore un autre sujet par rapport à ça. Parce que, genre, si c'est un gacha, je crois que tu parles pas cracha, je crois que tu veux dire gacha à ce moment-là. C'est un autre type de sujet parce qu'il y avait Anna qui jouait à un jeu de Love Live, je crois. Si je dis pas de conneries, je connais pas les animés d'Idol, je m'excuse déjà. Qui a joué à un jeu mobile, mais genre par PC. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une espèce de reboot du jeu, un truc comme ça. Et toutes les données sont effacées, sauf pour les comptes JP et américain. Et donc, à la fin, l'Europe se fait complètement baiser le fion. Et donc, son compte, eh ben, il va se faire juste complètement niquer. Et elle était grave mad. Et elle avait aucun moyen de récupérer le truc. Ils ont soupe tous les fers. Ouais, c'est ça le machin. C'est genre, dit, bah allez, on reset, vous gardez vos trucs, sauf vous là-bas. Vous là-bas, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? J'en sais rien. Mais vous n'avez pas le droit, arrêtez. Arrêtez de me parler comme ça, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun droit.
d'habitude maintenant que je joue japonais. Bah une époque ouais, mais maintenant normalement beaucoup moins en fait, parce que vu que tout s'est ouvert à l'international, overall, ils ont été beaucoup plus ouverts, réellement. Normalement. Normalement. Ouais. Enfin bref. Ça pour revenir, Bandai, ça, comment dire? Ouais, Bandai Namco, ils ont fait que de la merde, hein, réellement. Bandai Namco, réellement, bon, que de la merde, c'est un peu exagéré, parce que c'est sûr qu'il y a certains bons jeux derrière tout ça, genre Elden Ring. Enfin, sur le coup, ils sont pas créateurs, ils sont plus. Putain, c'est pas. Il y a éditeur et producteur. Arrête le téléphone, arrête de me parler. Parce que ouais, entre les jeux Naruto, les jeux One Piece, leurs jeux Dragon Ball. En fait, ce qui se passe, c'est que Bandai, ils font à moitié de la merde, à moitié des trucs bien, c'est terrible en fait. Parce que les Dark Souls, c'est cool. Les Tekken, ils sont cool. Voilà. Après ça. Non, je crois qu'ils ont aussi Soul Calibur. Je crois qu'ils ont aussi les Souls. Ouais, ils ont aussi Souls. Ceux qui sont Tekken aussi, Souls. Le blanc, elle. Ça m'a fait chou de voir mon compte sup, le message, pas de remboursement pour les faire. J'ai regardé. Ah oh, ouais! Ah oh, ouais, putain, c'est giga chiant. Parce qu'en plus, on faisait partie des joueurs à ce moment-là, Yuma. Putain, on fait chier. Je comprends qu'il y a pas besoin de casser les couilles. J'imagine. Je sais pas si. Ah, est-ce que j'ai un genre particulier? Genre, si je fais supprimer mon compte, je serais Giyamad. Peut-être League of Legends, vite fait, mais je m'en bats un peu les couilles. Pour de vrai, si on me donne un nouveau compte League of Legends, mais juste avec tous les persos, je suis en mode, bah très bien, je te donne le mien. Je n'ai rien à foutre. Je préfère tellement avoir un compte plus ou moins vierge, même pas pour mes ranked. Ça, je m'en bats les couilles dans ranked, parce que je sais très bien que je tomberai platine, tranquille. C'est plutôt que j'aime bien, genre sortir de nulle part un perso que je maîtrise à mort et que j'encule tout le monde et qui ne savent même pas ce qui se passait. Je trouve ça, moi, ça me ferait trop rire. Ça me ferait trop marrer. Ça, c'est un truc que j'adore. Bien sûr, 250 balles. Oh, sa mère. Terrible. Perdre son compte là, c'est une bénédiction. Je pense que la plupart des girls diraient pas ça. La plupart des personnes qui se font payer des skins parce qu'ils ont un prénom de meuf alors que c'est des mecs derrière, ils pensent pas pareil. Ça, c'est encore un autre sujet, ça. J'avais deux potes qui faisaient ça. J'avais deux potes, ils faisaient ça. Ils s'appelaient Princesse Yuki et l'autre s'appelait. Je sais plus trop comment. J'ai oublié son nom, mais. Je sais plus trop quoi. Et réellement, les mecs, mais. Après les games, alors que les gars, ils jouaient des putains de. Des putains de Darius, des Nautilus. J'en sais rien, tu vois, des Ornn et des trucs que, genre, réellement, les meufs ne jouent pas habituellement. Habituellement, les femmes ne jouent pas à ce genre de personnage. Les mecs, quand même, les autres, les mecs, ils étaient en mode waouh, vas-y, on rejoue encore après, putain, c'est quoi ton elo? Vas-y, je te paye un skin. Mais genre, terrible. Les joueurs de LoL ou de Valo, mais c'est des chiens. Ce sont des chiens, ces types, c'est terrible. Je vous jure, c'est terrible. C'est. Ah. Ah. Enfin bref. Tout ça pour revenir sur le vif du sujet. Oh, quoi de fait. Qui est littéralement des fillers. Il existe des fillers qui sont bien. Et que si vous êtes réellement fan de la licence ou de la franchise, vous pouvez tout de même apprécier, dans un sens, le filler qui existe. Exemple. Bleach, il y a des bons et des mauvais. Fairy Tail, il y en a un super bon qui a été mis canon. Dragon Ball avec les films. One Piece moyen, moyen. Moyen, moyen. Naruto, je crois qu'il n'y a eu aucun bon filler chez Naruto. Je crois que Naruto a eu aucun bon filler pour de vrai. Après ça, Black Clover, les fillers étaient plus nuls qu'autre chose. Jujutsu Kaisen n'en a pas. Fire Force n'en a pas. Je réfléchis en fait aux plus gros animés, surtout. Aux gros animés. Les light novels. Ouais. Est-ce qu'on considère que Fullmetal Alchemist de base, en animé, c'est un filler? Est-ce qu'on considère comme un filler ce truc? Pourquoi je l'ai pas maté, mais.
Ça a pas l'air d'être si mauvais que ça, pour de vrai. Ça a pas l'air si mauvais que ça. En toute honnêteté. Auto a carrément perdu des jeux d'ailleurs, obligé de faire des remakes, la pauvre licence a pris cher comparé à Black Clover qui a une popularité. Alors en fait le truc, c'est que les jeux vidéo Naruto, j'allais dire, sont tous mauvais, mais, celui dont je vais vous parler, celui dont je vais vous dire le nom, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout le monde, normalement, irait vous dire, ouais, les Naruto Storm, c'est les meilleurs. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un gros nom. C'est un gigantesque nom. Les jeux Naruto Storm ont aucun intérêt en termes d'e-sport de jeu. Ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Je peux en voir des gens qui sont déjà tout énervés derrière dans le fond à dire eh, mais qu'est-ce qu'ils racontent Naruto Storm, c'est trop bien, c'est juste trop cool, en plus t'as vu l'histoire et tout. Je vous parle pas d'histoire, je vous parle de gameplay. En termes de gameplay, les Naruto Storm, c'est à chier. Les Arena Fighter, ça pue la merde. Fairy Tail plus du tout. Kill la Kill If. Le Demon Slayer Arena, Naruto Arena, le One Piece aussi Arena, qui a eu le MHA aussi Arena, le One Punch Man aussi, tous à chier. Aucun intérêt. Un jeu de combat, si vous ne considérez pas le côté e-sport derrière, le jeu ne sortira de nulle part. Le jeu n'aura rien. Le jeu n'aura aucun intérêt. Et ça, c'est réel. Et vous pouvez... Il n'y a aucun moyen que vous retorquiez à ça, parce que c'est le cas actuellement. Ça fait plus de 15 ans que c'est le cas. C'est pareil pour Smash Bros. Smash Bros, le seul moment où l'histoire était bien, c'est peut-être pour Smash Bros Brawl, avec l'émissaire subspatial. Mais à la fin, on n'a aucun intérêt. On s'en bat les couilles. Complet. Complètement. On s'en balance complet. Et c'est vraiment, c'est naze. Dragon Ball FighterZ, l'histoire est une des pires qui existent du monde. Réellement. Mais moi, je vous dis, enfin... Ça pour dire que donc, le jeu de combat à Naruto Storm, c'est de la merde. Et j'arrive pas à trouver celui que je cherche. Putain, j'arrive pas à trouver le nom du jeu. Putain, ça me fait trop chier. Naruto avec un... MHA, c'est un pied des mangas, mais Brotherhood, c'est un autre style. Avec FMA. Ouais, FMA, c'est un des pieds du manga, mais Brotherhood, c'est un autre style. C'est l'inverse, c'est plutôt que Brotherhood de base, l'histoire de base du manga, et que FMA, tout court l'animé, c'était une autre façon de faire l'histoire, en fait, c'était un peu étrange. Avec ce matin, là, c'était nul Dragon Ball. En fait, ce matin, en termes de gameplay, ça allait encore, mais... Enfin, le gameplay de Dragon Ball FighterZ est incroyable, et ça l'est toujours, c'est incroyable. Faut le dire, faut l'avouer. Genre, lorsque vous commencez à jouer au jeu, c'est une super bonne sensation. Et beaucoup plus tard, au fur et à mesure, le... Ah c'est bon, j'ai retrouvé le nom. Le haut niveau du jeu, il est très compliqué. Et après, les combos deviennent vraiment chauds à faire. Et ça devient très cool. Le creux au milieu est très très chiant en termes de ranked, etc. Mais le gameplay de FighterZ est insane. L'histoire est nulle à chier. Les jeux de combat, c'est nul parce que je suis nul. Ah, ça, c'est notre histoire, ça. Ça, c'est notre histoire. Je crois que j'ai retrouvé, c'est les Clash of Ninja de Naruto. Les Naruto Clash of Ninja, vous savez peut-être pas, mais il y a de cela même pas 2 ans, il y a une remontée de ce jeu en termes de e-sport qui est revenu. Je vous jure. Et je vous jure réellement. Il y a eu d'un coup, sorti de nulle part, une communauté de ce jeu qui est revenu et qui a réussi à remettre de la hype, en fait. Et que lorsque tu vois en fait les combats, etc., c'est pas nécessairement bien balance, mais en fait, le neutral game dans les jeux de combat est super intéressant et super cool. Et en fait, à ce moment-là, réellement, les Naruto Clash of Ninja sont plus intéressants de façon e-sport que les Naruto Storm. Genre, vraiment, et c'est trop marrant pour nous. Moi, ça fait trop rire. Et ouais, mais bon. Et je vous jure. Je vous assure à fucking 1000%. Et donc, ouais, mais de toute façon... Et oui, si tu, comme tu disais, Zlaban, les jeux de combat, c'est nul parce que je suis nul. Ça, c'est autre chose. Parce qu'en fait, dans les jeux de combat, il y a une règle primordiale qu'il faut accepter et qu'il faut se mettre en tête et qui est très très dure, c'est que tu vas t'attendre à te faire bourrer le fion.
Faut que tu y attendes, faut que tu t'y attendes, c'est obligé à 1000%. Même au tout début du jeu. En fait, c'est plutôt si vous voulez commencer un jeu de combat, commencez-le à la sortie du jeu. Parce qu'à la sortie du jeu, personne ne sera assez bon. Il y aura les gens qui connaîtront pas les combos, il y aura encore d'autres joueurs qui commenceront tout juste le jeu, il y aura, ça sera un peu fouillé, etc. Vous avez toutes vos chances de bien vous amuser à ce moment-là. Si vous jouez un jeu de combat 2-3 mois après la sortie, c'est dead. Je vous jure, c'est dead. Vous allez vous faire rétamer le fion. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir le cœur solide. Hein. Vous avez intérêt à avoir un mental d'acier parce que sinon, vous allez vraiment vous faire péter le fion en boucle. Réellement. Il y a trop de parkour sur un jeu de combat. Mon petit cerveau n'arrive pas à suivre. Alors, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Le parkour, c'est ton combo. Mais à côté de ça, il y a ton neutral. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le compliqué et le plus intéressant dans le jeu de combat. Boruto tue les licences Naruto, à mon avis. La nouvelle génération ne connaît pas vraiment le vrai Naruto pour apprécier. En fait... Ah, c'est un peu compliqué, Boruto, pour de vrai. Pour de vrai, j'attends beaucoup plus tard, comment ça évolue le manga, pour peut-être le lire, Boruto, pour voir ce que ça donne. Parce que Naruto, j'en sais, le jour où c'était fini, l'anime, le jour où il s'est fini, j'ai lu tout le manga, j'étais en mode, ok, et ben je suis très content. Je suis très content. Naruto, c'était une œuvre qui s'est très bien finie. C'était maîtrisé, c'était complet, à gauche, à droite, toutes les questions étaient répondues, il se passait rien d'autre, c'était carré, réellement. Ça allait très très bien. L'animé, ils ont fait des fillers à chier, ils ont fait une suite après le combat final entre Naruto et Sasuke, etc., etc. Ça servait à rien du tout, ça n'avait aucun intérêt, c'était complètement nul, réellement, l'animé, déception plus qu'autre chose. Les génériques sont bien, ok, j'avoue. Voilà. Mais à la fin, s'il y a un animé, c'était juste vendre de la musique. Bah ok, bah c'est ça, je vais juste lire le manga avec juste la playlist de l'animé en boucle, quoi, et c'est tout, j'en ai rien à foutre. Genre si à côté le manga est 8 fois mieux, je vais juste mettre une playlist Naruto, voilà, OST, fini, manga, bam. Et ouais, c'est sûr que j'ai passé un bien meilleur moment, je pense, que l'anime lui-même. J'en suis même convaincu. C'est quoi le neutral? Alors ça, Zlaban, le neutral game, dans un jeu de combat, qui est aussi dans les MOBA, aussi accessoirement, on peut aussi le considérer là-dedans, ou même, dans la plupart des jeux compétitifs. Ah non, ça ne marche pas dans les FPS. Dans les FPS, c'est causé autrement. Mais bref, le neutral game dans un jeu de combat, plutôt, c'est en fait le moment où en fait les deux joueurs ne sont pas au corps à corps. Et c'est le moment où en fait, tu dois savoir quand est-ce que tu peux frapper, quand est-ce que tu dois te protéger, quand est-ce que ton coup peut être touché, quand est-ce qu'il va toucher, et tous les trucs comme ça en fait. C'est ce moment-là où en fait, tout peut arriver. C'est le moment où genre tu dis, ok, le mec a fait un Hadoken. Qu'est-ce que je dois faire? Je me protège, donc je me prends dans la garde, je perds un peu d'HP, et voilà. Ou sinon je saute par-dessus, ok, même si je saute en avant, je peux me prendre un Shoryuken après, donc je vais prendre des dégâts. Ok, si je saute tout droit, cet aspect peut approcher. Et en fait, c'est tout ça en fait, c'est tout ce moment-là le neutral game. Et c'est ça qui se passe constamment. Et c'est pour moi le truc le plus intéressant en fait dans un jeu de combat surtout. Il y a ça, et le système... Oh, putain, en fait, il y a plein de trucs dans un jeu de combat que j'adore. C'est ça le truc. Ah oui, c'est ça le plus dur, je peux pas apprendre tout ça. C'est pas un truc que nécessairement, tu vois, c'est un truc que tu peux apprendre par cœur comme un robot. Par exemple, Mewtwo King, joueur de Smash Bros. Melee, était appelé le robot parce que littéralement le mec avait tout appris de A à Z, comment le jeu se fait, etc. Enfin, genre, à la fin, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde dans toute l'histoire du jeu, quoi. Genre, il est théoriquement, etc., incroyable le type, genre réellement. Mais ce qui se passe, c'est que tu peux apprendre la chose en te le faisant prendre dans la gueule, en fait. C'est ça, dans un jeu de combat, c'est... Tu dois t'attendre à te faire bourrer la gueule, parce qu'en fait, tu sais pas quelles sont tes erreurs que t'as fait. C'est ça, le truc. Et la plupart du temps, c'est ton neutral, en fait, qui est manquant à ce moment-là. C'est ton neutral game qui est manquant. Parce qu'en gros, tu vas te dire, ok, bah en fait, ce personnage-là, il m'a mis un coup. Ah, bah peut-être qu'après ce coup, je peux frapper. Tu frappes, en fait, tu peux pas. Parce qu'en fait, le mec en face avait un coup qui s'appelle frame trap, qui est fait exprès pour que toi, tu tapes à ce moment-là. Et en fait, ça, tu l'apprends à la dure la plupart du temps. C'est genre, c'est à ce moment-là où tu te prends le coup, tu dis, ok, merde, en fait, s'il fait ça, je peux pas frapper après. Parce qu'après, il y a un autre coup, et c'est sûr, je me prends combo. Donc, c'est mort. Et en fait, t'es pas obligé de tout théoriser le truc, mais plus tu l'expériences, plus tu te mémorises, et plus tu restes et plus tu le gardes en tête, en fait. C'est tout. C'est ça, le machin. Et tu peux te l'apprendre à la dure. Et là, personnellement, c'est comme ça que je le fais à peu près. Et j'arrive à avoir un bon niveau dans les jeux de combat. Mais enfin bref. À la fin, on est en train de parler de complètement autre chose à part de la lecture de ce soir.
Mais c'est quand même marrant, ça me fait. Moi, c'est un truc que j'aime, que j'apprécie quand même énormément. Les jeux de combat, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens qui aiment pas les jeux de combat, c'est les gens qui perdent aux jeux de combat. Et réellement, c'est ça. Et réellement, c'est ça. C'est pas un stream discussion. À ce qui paraît, c'est écrit ASMR en dessous. Enfin, bref. Ouais, je peux vous parler des heures et des heures de neutral, d'un jeu de combat, etc., etc. Parce que j'apprécie énormément, quoi. Mais ça devient très long. J'aime juste pas faire de ranked en vrai. Quand ça devient trop compétitif, je lâche. Ça, c'est un autre truc à dire. Ça, c'est un autre truc à penser. Parce que un jeu, quand c'est compétitif, les gens veulent gagner. C'est logique. Dans League of Legends, par exemple, les gens qui disent Oh, you're trading in normal, oh, you're playing your main in normal. Bro, oui, à des moments, je vais jouer mon personnage confort. Je joue mon personnage qui me fait gagner parce que j'ai envie de gagner au bout d'un moment. Parce que c'est des jeux où quand tu gagnes, tu te sens bien. Logique! Logique que je joue le perso que j'aime! Logique que je joue le perso que je maîtrise! Qu'est-ce que tu me racontes, fils de? Enfin, réellement? D'où? D'où tu me dis ça? Enfin, oui! Oui, je tryhard parce que oui, je veux gagner! Ça paraît logique! Non? Genre, tu joues à jeu compétitif pour perdre? C'est quoi l'intérêt de jouer alors? Si tu joues vraiment pour perdre, bah va jouer à Dark Souls et va contre le premier squelette et juste continue comme ça durant 3 heures, hein, ça je t'assure, ça sera de 1 beaucoup plus rapidement, de 2 il y aura moins de gens qui casseront les couilles. Genre réellement, c'est. Faut pas chercher midi à 14h, hein, si tu joues à un jeu compétitif, faut s'attendre à ce que les gens en face veulent gagner. Et si toi-même tu joues, bah t'as peut-être aussi envie de gagner, non? Au bout d'un moment, faut se poser des questions, quoi. Après, la plupart du temps, les gens qui disent Oh, your training normal, c'est les gens qui ont besoin d'une excuse pour qu'ils perdent, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils perdent, ils ont besoin d'une excuse. Ils ont besoin de pointer quelque chose du doigt à part eux-mêmes. Et bon, ça, c'est le mental des gens, etc., etc. C'est aussi un autre sujet auquel on pourrait parler, auquel je pourrais parler des heures, auquel je pourrais répondre à des questions, etc., etc. Et avoir une discussion réelle et entière là-dessus. Mauvaise foi des tryharders. Ouais, c'est plutôt la mauvaise foi tout court. Hein. Moi, j'ai passé à la mauvaise foi tout court. Enfin, bref. J'ai quand même envie de lire la suite en ce moment de Classroom of the Elite, parce que là, on va atteindre un nouvel arc et qui a l'air d'être vraiment intriguant, vraiment intéressant. Et donc, j'ai vraiment envie de le lire. Donc, bref, on va se mettre dans le transat. Ah, le transat. Ah, j'ai oublié de zoomer, voilà. T'as vu à quel volume? Là, on est à la fin du volume 5, actuellement. Par rapport à l'animé, le volume 5, en fait, est un peu... J'allais dire, c'est un tome filler par rapport à l'animé, mais ça a aucun sens! Oh, putain. Ouais, c'est. Ce qu'il faut pas entendre, c'est ça. C'est l'histoire originale et c'est l'histoire qui a des fillers par rapport à une adaptation. Là, c'est. Foutage de gueule d'une puissance insane. Non, en gros, tout ce volume, c'était plus des mini-aventures qui arrivaient à Inakoji. Il a d'un côté aidé Katsuragi, le chef de la classe A, à envoyer une lettre à sa sœur, alors qu'ils ont quand même un peu joué. Ils ont failli se faire renvoyer pour ce qu'ils ont fait, quoi, parce que normalement, ils n'ont aucun droit d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il a aussi un peu rencontré Ibuki, la meuf, l'espionne de la classe C, qui en fait est plutôt sympa. Enfin, moi, personnellement, j'aime quand même bien parce qu'elle aime pas trop Ryuen, qui est le chef de la classe C, et elle, plutôt cool, ouais, j'ajoute ça. Et donc, ouais, donc il est allé voir avec elle, vite fait, ils sont allés voir une voyante qui leur a prédit l'avenir et. Ils ont eu donc l'arc, on est bloqué dans un ascenseur pendant 1 heure et on avait chaud et c'était chiant. On a eu l'arc de Yamoshi qui voulait demander à Sakura de sortir avec lui par une lettre. À la fin, et bah il s'est fait. Sakura a pas voulu, hein, normal. Mais Sakura, en attendant, a énormément grandi par rapport à ça. Et c'est cool, Yamoshi normalement un petit peu aussi. On a eu l'arc de Horikita qui s'est coincé sa main dans un thermos alors qu'ils avaient plus d'eau. Un peu stupide. Et pour finir, on a eu l'arc à la piscine. En fait, c'est un arc un peu bizarre parce qu'en gros, cet arc-là,
il est dans l'animé saison 1. Alors que normalement, en termes de timeline, on serait à la saison 2 par rapport à l'animé. Mais bref, tout ça pour dire qu'en gros, l'animé est un peu mélangé des trucs à gauche à droite. C'est pas l'histoire. L'histoire n'est pas complètement fidèle. Mais c'est pas plus mal non plus. C'est encore ok. Et donc, tu es donc dans cet arc-là, dans la piscine. Ils y sont allés avec la classe B, c'était plutôt bien. Ils ont fait un match de volley, ils ont gagné la classe D, donc ils se sont fait payer la bouffe par la B. En attendant, les mecs de la classe D voulaient essayer, avec un robot, avec une caméra, espionner les vestiaires des filles pour les voir à poil. Et donc, Aya Nakoji les a trahis sans leur dire, et littéralement pour pas qu'ils se fassent envoyer comme des connards. Et avec ça, Aya Nakoji, ça l'a un peu vénère. Genre, on sentait qu'il était énervé. Et qu'il a deux doigts, en fait, de faire envoyer les 2-3 mecs inutiles et casse-couilles de sa classe. Parce qu'il sait pertinemment que pour que sa classe monte en classe A, il faut que ces mecs-là, ou ils se réveillent un peu, ou ils les virent, en fait. Et littéralement, Aya Nakoji, je pense qu'il n'hésiterait pas si ça devient trop à chier. Il aurait littéralement mis un ultimatum en mode, c'est la dernière fois que vous faites ça, si vous recommencez, je dis tout et je vous baise. Genre, réellement. Et donc voilà, c'est ça le truc. Et donc, c'est à peu près la fin... de ce tome, et on va lire les tomes additionnels, enfin pas les tomes, les chapitres additionnels, où genre ça va être des petits moments où lorsqu'ils étaient à la piscine et qu'Aya Nakoji va rencontrer chacune des filles, comme dans un visual novel, tu choisis avec laquelle tu vas aller à ce moment-là. Bref, je vais chercher la bonne musique, j'espère que j'ai bien résumé. Pour de vrai, j'ai bien résumé, je trouve. J'ai quand même réussi à me souvenir de pas mal de trucs, hein, réellement. Alors que, comme tout ce tome, ça m'a presque fait toute la semaine à le lire. Tac. Ok. Donc, chapitre supplémentaire du tome 5. Maillot de bain avec Orikita Suzune. Alors. La spectaculaire piscine, durant les vacances d'été, attira de nombreux élèves venus dans le but de se rafraîchir. La scène montrait la majorité des élèves en train de jouer. Mais il y avait une fille. Orikita Suzune, qui s'éteignait sur le bord de la piscine, regardant sans sourciller la surface de l'eau bleue azurée où elle y plongea ensuite avec grâce. La manière dont elle nageait était si parfaite que c'était à peine si on pouvait entendre un bruit. Oh. Je décidai de l'observer pendant un moment. Elle sembla avoir prévu de faire quelques longueurs. Je me tenais debout sur le point de départ, chronométrant le temps de Orikita. Après avoir levé la main en l'air, Orikita sortit la tête de l'eau. Aya Nakoji, yo, bien joué. Orikita resta silencieuse, me regarda de haut et soupira de façon marquée. Après ça, elle nagea lentement vers l'échelle pour remonter. Orikita, tu as regardé ? Aya Nakoji, plus ou moins. Tu es bien la seule à nager sérieusement dans cette piscine pendant les vacances d'été. La majorité des autres élèves jouaient en s'aspergeant d'eau ou avec une balle ou bien discutaient joyeusement. Orikita, je ne suis pas venu ici pour jouer. Elle me dit cela quelque peu en colère. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as menacé, je te signale. Tu l'as oublié ? Menacer est un peu fort quand même, sois plus juste avec l'emploi des mots. Laisse tomber, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour s'entraîner de toute manière, alors c'est aussi bien comme ça. Il semblerait que de voir les choses de cette façon optimiste était un moyen pour elle de calmer ses émotions. Enekoji. Tu nages déjà très bien, pas besoin de t'entraîner. Orikita était parvenue à obtenir de très bonnes notes en natation et dans les autres sports. On lui avait certainement donné la meilleure note, mais malgré cela, pourquoi cherchait-elle à s'améliorer tout le temps? Enekoji. C'est quoi ton but, Orikita? Après lui avoir demandé ça, Orikita resta silencieuse pendant un moment. Elle me regarda, pendant un temps, et me répondit. Tu n'es pas en train de jouer, mais tu ne t'entraînes pas non plus. Qu'est-ce que tu fais là au juste? Elle avait beau me le demander, il n'était pas évident de lui répondre. J'observe. Rien qu'en te regardant, je m'ennuie déjà plus. Peux-tu arrêter de dire des choses aussi gênantes? Il détourna la tête et soupira. Elle avait compris que je n'étais pas sérieux. Enekoji. C'est assez remarquable. Même autour autant de gens comme ici, il n'y a que toi qui te démarques autant. On aurait pu croire qu'il a dégagé une aura de sans-amis en nageant seul dans cette vaste piscine, mais ce n'était pas le cas. Au contraire, on voyait bien que son aura disait « Je n'ai pas besoin d'amis. » Orikita. Et si tu nageais un peu, ça pourrait t'éclaircir les idées? Je sens comme une attaque dans tes propos. Bref, tu peux te pousser de là? Je ne peux pas remonter. Ah, désolé. Je dis cela tout en me déplaçant pour pouvoir lui laisser grimper l'échelle. Orikita remonta, inclina la tête à droite et à gauche pour enlever l'eau de ses oreilles. Vraiment, si elle pouvait se taire, c'est vraiment une beauté. Orikita, là t'es en train de penser à des trucs obscènes, non? Enekoji, non, tu te fais des films. Je lui dis cela dans le but de la tromper et pouvoir la regarder ouvertement. Orikita, Enekoji-kun, tu m'as demandé tout à l'heure mon but. Oui, et donc, tu as donné une réponse? Je ne veux plus jamais ressentir à nouveau ce sentiment d'échec. La réelle pensée d'Orikita venait de sortir en un quart de seconde. C'était la preuve qu'Orikita aussi avait pris conscience de ses points faibles.
Yann et Koji. Non, t'en fais pas. T'es du genre difficile à battre. C'est une évidence. Pas besoin que tu me le rappelles. Rokita retira immédiatement de sa mémoire cet instant de faiblesse et passa à côté de moi comme si je n'existais pas. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. C'est bon, j'ai la musique dans la tête. Anyway. La raison pour laquelle mon attention avait été attirée par Rokita depuis ma venue au lycée était... C'est pas dans le bouquin, ça. Ouais, je sais, mais quand même. Mais quand même. Et donc, il dit pas la raison pour laquelle il avait été attiré par Rokita. Ok, très bien. Deuxième chapitre supplémentaire avec Ichinose Onami, la chef de la classe B. Enakuji qui a des refs FR, ça m'étonnerait pas de lui. réellement, ça m'étonnerait pas non plus. Au dernier jour des vacances d'été, j'étais venu à la piscine pour m'amuser. Après avoir déjeuné, j'étais parti me reposer un peu tout seul sur un simple banc dans un coin de la piscine, en train de regarder les gens nager. Ichinose. Ça ne te dérange pas, ça te dit de nager avec moi? Le leader de la classe B, Ichinose Onami, démarra une conversation avec moi. Est-ce que tu es venu me parler parce que tu m'as vu seul? Pas tout à fait, ça m'a juste un peu traversé l'esprit. C'était un véritable honneur que de pouvoir parler avec Ichinose, considérée comme étant, probablement, la fille la plus mignonne du lycée. Bien entendu, je ne pouvais pas dire cela tôt, alors je me contentais de le penser. Enakuji, je ne suis pas vraiment doué pour nager, tu sais. Est-ce que c'est la vérité? Ichinose commença à me regarder de la tête aux pieds, l'air incrédule. Ichinose, pourtant tu as l'air de pouvoir nager très vite. Enakuji, il doit y avoir mépris, j'ai toujours été dans les derniers. Je lui dis cela car c'était une information qu'il pouvait facilement obtenir en se renseignant un peu. Ichinose, bien que n'étant pas vraiment convaincu, changea immédiatement d'angle d'attaque en s'étirant le bas du dos. Ichinose, dans ce cas, pas besoin de nager, va dans l'eau déjà. Oh, ok. Puisque venir ici était exceptionnel, j'ai décidé d'accepter pour cette fois. En plus, normalement, nous n'étions pas autorisés de porter un rash guard dans la piscine, mais aujourd'hui était un jour spécial. Et il fallait dire qu'il faisait plutôt chaud. Alors, quand je sautais dans l'eau, la fraîcheur de la température se transmit à travers ma peau. Oh, ça fait du bien. Ichinose, qui remonta immédiatement à la surface, me fit tressaillir juste avec le sourire sur son visage. Juste après, elle m'éclaboussait avec de l'eau. Je vais pas dire ça parce que c'est un peu trop cringe pour moi. Plutôt, en fait, il s'amuse, voilà. Ichinose rigole et Aenakoji est un peu gêné. Était-ce parce que j'avais l'air bizarre avec mes cheveux mouillés à cause de l'eau qu'elle m'avait lancée? Ichinose me pointa du doigt tout en se tordant de rire. Elle poursuivit alors en m'arrosant de plus belle plus intensément. Ichinose, ça te va vraiment de te laisser faire comme ça? Tu... Face à une provocation comme celle-là, on avait vraiment envie de répliquer. Et quand je réalisais que les gens autour me regardaient, je devins rigide. Ichinose, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Comment le dire? On devait ressembler trait pour trait à deux amoureux en train de jouer dans la piscine. Même si Ichinose et moi n'avons pas ce genre de relation, ceux qui nous voyaient interagir ainsi nous auraient très certainement vu comme ça. Ah ah ah. Ouais, non, je vais pas... Les trucs comme ça, je les dis pas habituellement. Parce que juste, si je le dis à l'oral, ça va un peu perdre les gens. Donc autant juste essayer de retranscrire les émotions qui sont indiquées à l'écrit. Des mots prononcés. Je préfère. Ils sont mignons tous les deux. Ah, ils sont plutôt cool pour de vrai. Donc, voilà. Anakoji reste un peu en retrait parce qu'il sait que s'il joue trop avec elle, les gens vont croire qu'ils sont ensemble et il veut pas laisser paraître ça. Une fois que je réfléchis à cela, mon corps me sembla si lourd que j'étais totalement incapable de contre-attaquer. Anakoji, c'est juste que je veux me rendre pour éviter un bain de sang. J'utilisais cette expression comme excuse. Cela signifiait littéralement d'éviter une bataille sanglante en ouvrant les portes de la ville. Je ne sais, je vois, mais dommage, il y aura du sang tout de même. Elle m'éclaboussa plus violemment, l'eau pénétrant dans mes yeux et dans le nez. Ah! J'en conclus que ce fut inutile. C'était frustrant de ne faire que subir les attaques. Ichinose sentit probablement que ses attaques unilatérales étaient excessives. Elle fut prise par un sentiment de culpabilité et s'excusa avec un sourire. Après ça, elle me dit qu'elle allait retourner dans la piscine principale. Alors je la suivis, quelques pas derrière. Voyant son dos, totalement sans défense, je ne pus m'en empêcher de rassembler toute l'eau possible et de lui envoyer. Ah mais t'es vraiment mesquin, hein, Ekoji. Désolé, il semblerait que je déteste vraiment faire arroser sans rien faire. On va te dire qu'on est quitte alors. Je m'en veux pas, j'espère. Je vais pas t'en vouloir, j'ai juste t'arrosé bien plus fort. J'étais certain que maintenant, tout le monde nous prenait pour des amoureux batifolants. Cette fois-ci, et uniquement cette fois-ci, je décidais de ne pas m'en soucier. Si Rokita voyait cela, elle aurait certainement lâché, hein. T'es vraiment qu'un gosse. Pour finir par soupirer. Mais j'avais aussi envie d'être un gamin de temps en temps. Ils sont un peu cringe. Mais comme on sait à peine de l'histoire de Aenekoji,
et que j'ai l'impression que toute son enfance, il n'a pas pu en profiter, il n'a pas pu être une seule fois heureux dans sa vie, il n'a rien pu expérimenter. Je pense que c'est plutôt beau de le voir ressentir ce genre de choses. Parce que on sait que c'est la première fois qu'il a mangé une glace, genre réellement après être sorti de la piscine, parce que là on a des chapitres du milieu d'un arc. C'est la première fois qu'il mangeait une glace. Je pense que c'est la première fois qu'il s'amuse comme ça avec des amis à lui dans une piscine. C'est à la fois c'est un peu cringe, mais en même temps c'est un peu beau pour de vrai. C'est un peu beau pour de vrai. Donc, autre chapitre supplémentaire, maillot de bain avec Carissa Wakei, la fille qui est à peu près la leaderuse des filles de la classe D, et dont Aina Koji a la main sur elle, on va dire. On va dire qu'il la manipule un peu violemment. Pas violemment plutôt, mais juste qu'il la manipule et qu'il a fait ça d'une façon un peu violente. Alors, Karizawa, comment ça? Eh mais, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle me dit cela tout en regardant les élèves retournant au vestiaire. Elle s'assit à côté du miroir, les cheveux humides, des gouttes d'eau tombant de ses cheveux au sol. Si elle était trempée, c'était parce que je l'avais poussée dans l'eau, elle qui ne voulait pas nager dans la piscine. Elle sembla sur le point de vomir très bientôt, en continuant de regarder les élèves avec mépris. De vomir? Ok. Ah, laisse tomber. Disons que tu fais partie de ces gens que tu regardes avec mépris. Vous pouvez dire que Karuizawa était celle qui avait le plus d'amis filles dans la classe. Durant la semaine et le week-end, elle devait probablement passer beaucoup de temps avec ses amis à jouer un peu partout. Et Nakoji. Seuls les gens comme moi, qui ne peuvent pas se trouver sous les feux des projecteurs, peuvent se permettre de regarder de haut les gens de ton genre. Karuizawa. Eh mais, même si c'est bien le cas... Karuizawa, en quelque sorte, montra une certaine compréhension. Mais elle ne pouvait pas accepter mes mots, alors elle se tut. Mais elle reprit. Mais elle continua quand même de parler. Je pense que tout le monde est pareil. Chacun juge sur les apparences et critique lorsque la personne en face sort de leur sphère de compréhension. C'est ce qu'on appelle les préjugés, je crois. Tu sais, quand les gens sont persuadés d'avoir cerné une personne. Karizawa n'avait pas prononcé ce discours parce qu'elle cherchait à se mettre en valeur. Au vu de son attitude habituelle, jamais je n'aurais pensé qu'elle tiendrait des paroles si justes. Alors je ne pus m'empêcher d'avoir le souffle coupé devant ces mots. Karizawa, quoi? J'ai dit quelque chose de bizarre? Enekoji. Non, c'est juste qu'on pense la même chose. Jamais je n'aurais imaginé que Karizawa et moi puissions partager une même pensée. Entre ce qu'elle était à l'extérieur et à l'intérieur, il y avait un réel contraste. Je supposais qu'actuellement, personne, excepté Hirata, n'avait connaissance de cette facette de sa personnalité. Sans la regarder, j'abordais un sujet tout autre, celui qui concernait sa cicatrice. Enekoji, je pense que j'ai une solution pour ça. Porter un maillot de bain n'impliquait pas de montrer son abdomen, bien que pour se changer, il faille toujours bien faire attention à ne pas se faire remarquer. Cela ne voulait pas dire que c'était impossible. Il y avait le cas où quelqu'un viendrait taquiner Karizawa pendant qu'elle se change, et c'était assez improbable. Karizawa, ce n'est pas le seul problème. J'aime tout simplement pas nager dans un lieu public, et puis mon corps est exposé à tout le monde quand je porte un maillot de bain. Enekoji, donc c'est parce que tu manques de confiance en toi? Il n'y avait pas vraiment de malice dans ce que je venais de dire, mais cela pouvait très bien être interprété de façon à ce qu'il en soit imbibé. C'était sans doute pourquoi elle me retourna la question. Tu ne sais même pas que même à l'école primaire, on ne porte plus le maillot de bain de l'école? Ah ouais? Autrement dit, tout comme les bloomers tendaient à disparaître, le maillot de bain scolaire lui aussi allait être supprimé. Enekoji, tu me diras, le rage-garde que je porte est autorisé. Cependant, cela me rendait aussi beaucoup plus suspect, comme si je voulais cacher quelque chose. Parce que oui, Enekoji, il cache son corps parce que la première fois qu'il était au cours de natation, ça a montré son torse, et la plupart des filles étaient en mode « Ouais, mais attends, mais t'es plutôt baraque comme type !» Et il aime pas trop se montrer en fait. Est-ce que c'est parce que tu veux me voir en maillot? Les vraies questions. Enekoji. Tu fais pas des idées. Je pensais juste à si ou non tu avais pu prendre vraiment du plaisir en venant ici. J'ai réalisé tout d'un coup que je lui en avais trop dit. Karizawa prétendit n'avoir rien entendu et détourna le regard. Mais elle répondit. Désolé. Mais elle répondit. Je sens que, même si j'en suis pas sûr, que peut-être c'est une bonne chose que je puisse parler sans filtre avec toi. Elle avait plus chuchoté cela doucement comme si elle se parlait à elle-même. Il n'y a pas juste Hirata, mais j'ai aussi maintenant plein d'amis autour de moi. Sauf qu'à chaque fois, je dois leur cacher ma véritable personnalité. Alors c'est pour ça qu'avec toi, même si ça me rend perplexe, comment dire, au moins je suis moi-même. Si j'avais été moi-même avec les autres, je n'aurais jamais pu mettre les pieds ici. Et même si j'aimerais bien nager, ça reste inimaginable pour moi. Malgré ça, Karizawa n'avait toujours pas l'intention de se relever, tout simplement car il y avait une grande différence entre ce qu'on pouvait et ce qu'on voulait faire. Karizawa portait en elle une blessure psychologique, cicatrice physique. Aucun des deux ne pouvait être effacé si facilement. C'était peut-être surestimer mes capacités, mais si mon existence pouvait apporter un soulagement à cette personne, alors en tant qu'être humain, c'était quelque chose qui me rendait fier.
Elle est cute. Et j'aime plutôt bien Kiruizawa. C'est vrai qu'elle est plutôt forte, et etc. Elle est passée un peu douloureuse, assez sombre, mais... J'ai quand même un peu du mal par rapport à comment est-ce qu'Arena Koji a réussi à faire en sorte qu'il se serve d'elle. Mais elle est quand même cool. C'est pas ma favorite, mais elle est quand même cool. On va y avec Kushida Kikyo. La pire. Bref. Cette fille a attiré l'attention de tout le monde. Kikyo-chan, pourquoi tu n'as toujours pas de petit copain? Pourquoi ne pas sortir avec moi? Un garçon approcha de la jeune fille et lui dit ces mots tendres. Cela ressemblait très pour trait à une scène de quelqu'un faisant du rentre-dedans sur la plage pendant l'été. Kushida. Je n'en ai fait pas encore de petite amie, mais je ne suis pas spécialement populaire, tu sais. C'était juste de la politesse, car la vérité était qu'elle était extrêmement populaire parmi les garçons. Peu importe qui, elle les traitait toujours gentiment et avec tact. C'était sa spécialité. Kushida. Je suis désolé, Inakoji-kun. Leur situation arrive assez souvent. Kushida me parla avec un sourire amer, tandis qu'elle sembla désemparée. J'étais en train de passer mon dernier jour d'été avec cette personne, la popularité n'était plus à prouver. Plus précisément, nous n'étions pas juste deux personnes, mais tout un groupe incluant Ike, Orikita et bien d'autres, qui étaient venus avec nous pour jouer à la piscine. J'avais réussi à m'écarter un peu du groupe et me retrouver seul avec Kushida par coïncidence. Elle était assise sur le bord de la piscine et avait uniquement une de ses jambes qui trempait dans l'eau. Kushida, Inakoji-kun, tu cherches à m'imiter? Non, certainement pas. Ça va bientôt être le début du second semestre. Ouais... Ma réponse, comme mon habitude, fut extrêmement courte, à l'image d'une personne dont les compétences sociales étaient inexistantes. Si mon vocabulaire avait été un peu plus fourni, alors j'aurais pu illuminer l'atmosphère. Parmi toutes les filles que je connaissais dans ce lycée, c'était celle dont je n'arrivais vraiment pas à rester de marbre lorsque j'étais à côté. Kushida ne hissait pas seulement Okita, mais me détestait également. C'est ça qu'elle lui a avoué. Et les Koji, c'est un ouf très violent. Oui, très clairement. C'est pour ça... Enfin bref, je finis ce chapitre. Malgré cela, j'étais toujours incapable de ne pas être nerveux lorsque j'étais seul avec elle. La raison était simple. C'était tout simplement ce que l'on ressentait lorsqu'on avait affaire avec une personne du sexe opposé. La question de savoir si je l'aimais de façon romantique ou non, je ne pouvais pas nier que mon sentiment allait plus loin que cela. Si jamais elle se déclarait à moi, j'aurais pour sûr dit oui, même si bien sûr, c'était une hypothèse très fantaisiste. Inakoji. En fait, Kushida, tu es très populaire. J'avais pas eu l'intention de le lui dire, mais cela m'avait échappé. Bien que j'avais dit à voix basse, cela avait été perçu par les oreilles de Kushida. Elle me regarda avec une expression inouïe. Je ne suis pas populaire, enfin, vraiment pas. Pourtant, tu viens juste de recevoir une déclaration. Ça n'avait rien à voir avec une déclaration, c'était juste une façon de dire bonjour avec un ton plus insistant. Ah, pas vraiment, le mec qui était en 10 a dit sortir avec moi. Quand même. Ainsi, les jeunes de nos jours ajoutaient également des déclarations masquées en disant bonjour. J'étais persuadé que je n'arriverai jamais à dire des mots comme ça tout en restant impassible, et ce jusqu'à ma mort. Kushida. Inakoji-kun, tu avais été placé assez haut dans le classement secret des boy boss de la classe. Alors tu as sans doute reçu quelques déclarations, non? Inakoji. Je n'ai jamais été au courant. Qui avait pu me positionner aussi haut? Je ne pouvais pas l'imaginer. Kushida. Bah par exemple, Orikita. Hein? Non, je pensais juste que tu avais dû recevoir une déclaration de la part de Orikita-san. Je crois que j'avais dû afficher sur mon visage une expression incroyable et bien difficile à comprendre qui provenait du plus profond de mon cœur. Inakoji. Non, c'est impossible. Que ce soit elle ou moi de se déclarer l'un à l'autre, ça se peut pas. Je refutais cela sans détour. Pourquoi Kushida me demandait cela? Parfois, je ne comprenais vraiment pas cette fille. Elle remarqua de suite le changement dans l'atmosphère et poursuivit en secouant la tête. Oublie ce que je veux dire, je suis désolé. Oh, y a pas de problème. Je ne savais pas bien pourquoi, mais j'étais incapable de continuer à regarder Kushida droit dans les yeux en lui parlant. Jusqu'à ce que les autres viennent nous rejoindre, Kushida et moi regardâmes silencieusement la surface de l'eau. On va finir le chapitre avec Sakura. Maillot de bain avec Sakura Airi. La fille timide de la classe D et qui en fait était un mannequin sur internet. Durant l'après-midi, encore plus d'élèves affluèrent dans la piscine et la zone était bondée de partout. Bien que notre groupe était constitué de plus de 10 personnes avec cette foule, c'était presque inévitable de finir par perdre de vue tout le monde. C'est pourquoi nous nous dispersâmes temporairement et avons prévu de nous retrouver une fois qu'il y aurait moins de monde. Je pensais que c'était le parfait timing alors dans le but d'être un peu... Oula, attendez. Je pensais que c'était le parfait timing alors dans le but d'être un peu seul, je m'éloignais de Rikita et des autres. Cependant, alors que je passais mon temps à paresser, quelqu'un me tira par le bras. Sakura. Ah, Inakoji-kun ? Quand je tournais la tête pour voir qui m'avait appelé, je vis Sakura qui me regardait l'air préoccupé. Il y a vraiment beaucoup de gens. Inakoji. Oui, allons plutôt dans ce coin. Sacrée phrase. Sakura et moi n'étions pas tout à fait à notre aise au milieu de la foule. Si possible, je voulais vite sortir de là.
La couronne n'allait sûrement pas être opposée à l'idée, alors, après lui avoir demandé son consentement, nous commençâmes à marcher en direction d'une porte de sortie. Attends, s'il te plaît, attends-moi! Après avoir entendu son cri, je me tournai et vis Sakura en train de littéralement se faire avaler par la foule. Elle tendit désespérément sa main vers moi, mais toujours avec de la retenue. Puisque je trouvais cela intéressant, je l'observais pendant un moment. Ah ouais, mec! Ah ouais! Il te demande de l'aide et toi tu regardes en mode, oh, pas mal! Bien que je n'avais évidemment pas avancé d'un pas, Sakura s'éloignait de plus en plus de moi. Ça devient dangereux là. Sakura par la suite, alors... Je me disais alors que si je ne faisais rien, il m'aurait été impossible de retrouver Sakura par la suite. Alors je décidais de venir vers elle et lui attraper le bras. Si sa peau avait été nue, elle aurait certainement résisté bien plus. Mais heureusement, elle portait une combinaison. Sakura, merci, Yamekoji. C'était plutôt dangereux. Afin que la même chose ne se reproduise pas, nous longeâmes le mur. Yamekoji. Compte pas aller nager ? Sakura. Non, je passe. Je ne sais pas bien nager. Et toi, Yanakoji-kun, est-ce que tu vas aller nager ? Elle se sentit désolée que je reste là à côté d'elle et se recroquevilla sur elle-même. Vu le nombre de gens autour, son instinct de protection qui lui faisait voir du mal partout était décuplé. Yanakoji. J'ai déjà assez nagé pendant les cours. Mais... C'est que je te gêne en restant à côté de toi ? Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, je suis contente. Je suis très très contente. Je choisis de continuer à taquiner Sakura davantage. Bien sûr, ce n'était pas que pour ma satisfaction personnelle, mais aussi pour son bien à elle. Yanakoji. Bon bah dans ce cas, allons nager un peu. Je demandais à Sakura d'enlever sa combinaison. Ah ouais, quand même. C'était autorisé de nager avec, mais je lui demandais ceci délibérément pour lui empêcher toute porte de sortie. Hein? Avec autant de monde, ça ne va pas attirer l'attention si tu enlèves ta combi. Au contraire, tu vas plus attirer l'attention des gens si tu nages avec. Sakura. Ah, c'est... Ouais, même si c'est vrai. Sakura savait très bien que sa présence était invisible. Et ça m'embarrasse. Personne te regarde. Mais toi, tu me regardes. Donc, c'est donc ça. C'était vraiment étrange. Alors, je lui dis cela en détournant mes yeux d'elle. Je vais faire de mon mieux pour pas regarder. Ça te va? Je comprends. Avait-elle réussi à réunir assez de courage? J'entendis le son de ses vêtements frotter contre sa peau derrière moi. Lorsque je ne regardais pas, le son prit toute son importance. Il continua à résonner dans ma tête, me faisant ressentir des sensations étranges. C'était pas bon. Pas bon du tout. Je secouais la tête pour me débarrasser de ses pensées. D'accord, voilà c'est fait. Elle cogite. Très bien, allons-y. Ok. Je ne tournais pas la tête tout en tendant ma main en arrière, afin que l'on ne se perde pas à nouveau. Je pus sentir la main de Sakura prendre la mienne. Face à cette situation bien ridicule, je ne pus m'empêcher de rire un peu. Ok. Ah ouais, donc réellement, parmi les chapitres là, avec Kurokita, il s'est rien passé, on s'en fout complètement. Avec Ishinose, c'était plutôt cool. Avec Kaizawa, bah, ils ont discuté des trucs plutôt intéressants. C'est un rapprochement beaucoup plus sentimental. Avec Kushida, et bah, Nekoji, on a un peu plus appris par rapport à ce que les filles de la classe pensaient de lui. Légèrement plus. Et avec Sakura, et bah, ça devient. J'ai l'impression que le. Au tout début. L'œuvre voulait qu'on aille plus vers Orikita, vu que c'était la seule fille que Ayanekoji côtoyait. Mais au fur et à mesure, Sakura est de plus en plus dans des situations incongrues, on va dire, avec Ayanekoji. Parce qu'Ayanekoji lui a littéralement dit « déshabille-toi ». Et littéralement, pendant le d'avant-dernier paragraphe, littéralement, il était concentré sur le bruit et il a dû s'imaginer des choses un peu obscènes. Donc littéralement, j'ai l'impression qu'il actuellement, on nous met un peu plus du côté Sakura. Actuellement. Ouais. Overall, je pense... Ah, c'est un enfant, Yanakoji. Yanakoji, mentalement, c'est... Il est encore immature. En termes d'expérience. Et de sociabilité. Pas de sociabilité, ouais. Ouais. Mais en termes d'intelligence pure, académiquement et tout, il est surpuissant. Même physique. Même physique, il est incroyable. Il est gigafort. 100%, il retourne Sudo et Koenji, quoi, à 1000%. Et bref. Je pense... En fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de réfléchir à avec quel personnage féminin est-ce qu'il y a Koenji, ferait mieux d'aller avec. Dans ma tête, je me dis Porikita, parce que ça serait... Ça irait pas, en fait. Genre, ils sont trop... C'est trop fait pour être l'un avec l'autre et ça me déplaît, en fait. Kushida, non. Surtout pas, jamais, trop chiant. Kaiuizawa, Yanakoji la considère beaucoup plus comme un pantin à manipuler plus qu'autre chose. Et pareil avec Orikita, il la considère plus comme un pantin utilisé.
Avec Ibuki, ça peut être plus ou moins intéressant. Moi, j'aime beaucoup Ibuki personnellement. Parce que malgré sa classe qu'elle déteste, elle est obligée de la suivre. Et elle a quand même partagé 2-3 trucs assez intéressants avec Ayane Koji. Mais je pense que Ichinose. Ichinose serait quand même. Ichinose, c'est quand même la seule qui, pour l'instant, arrivait à plus ou moins savoir ce que faisait Ayane Koji. Et elle est constamment là. Toutes les fois où on la voit, en fait, elle est constamment en train de savoir, enfin plutôt de juger, d'espionner, d'inspecter Ayane Koji. Genre savoir ce qu'il fait, quelles sont ses véritables capacités, ses performances, etc., etc. Constamment. Et ça, c'est que par des petits trucs, que par des petits biais. Genre, elle lui a demandé de venir nager parce qu'elle dit « Ouais, mais je suis sûr que tu nages plutôt rapidement. » Et le mec, il fait « Non, t'inquiète, c'est trop rien. » Des trucs comme ça, plein de trucs comme ça. Et ouais, Ichinose, c'est la seule, je pense, qui, genre, mentalement, elle arrive à plus ou moins comprendre Ayane Koji. Genre, ouais. Ichinose, c'est celle qui en termes mental, va le mieux. Les autres, non. Les autres, non. Sakura, oui, aussi Sakura. Sakura... Je pense que non, je pense qu'Ayane Koji voit plus Sakura légèrement... Légèrement du côté, je l'aide à grandir, en fait. Dans un sens. En fait, le truc qui est drôle, c'est que... Sakura aurait pu être une autre façon d'être Ayane Koji, s'il était timide. Et réellement, c'est ça. Littéralement, Ayane Koji dit « Oui, mais tu sais, tu peux aller nager, etc. T'inquiète, moi, je suis là, tu peux avoir confiance en moi, et tout. » Ça fait que Sakura, donc, a confiance en lui, et commence à avoir des sentiments pour lui. On le sait très clairement, plus d'une fois, ça a été montré. Ayane Koji fait genre qu'il ignore, en fait. Ayane Koji le sait très bien, mais il ignore. Il ignore la chose. Et je pense pas qu'Ayane Koji voudra être avec elle. Je pense qu'Ayane Koji garde Sakura de côté et essaye de la protéger sans la manipuler. Il veut pas la manipuler. S'il doit le faire, il le fera. Mais c'est pas ce qu'il veut. Oh. C'est quand même une petite série LED, non? Dans un sens, ouais. Ah, et ben voilà, Kaizawa, le... Ok. Ichinose... Ah, ça qu'on les avait déjà vus avant, je me souviens. Ichinose qui mange la glace, étrangement, voilà. C'est un truc qui est comme par hasard dans un symbole phallique. Kaizawa en milieu de bain qui habituellement ne devrait pas l'être. Sakura, lorsqu'elle avait pris la radée de la pluie, lorsque Yamushi voulait avouer ses sentiments. Et ça... on n'a pas eu cette... Là. On l'a peut-être eu au tome d'avant, je dirais. Le tome d'avant, on a peut-être eu une scène comme ça. Mais en fait, c'était lui le tome 4.5. Vous avez vu? En fait, j'avais complètement oublié. En fait, lui, c'est le tome 4.5. C'est pour ça, en fait, il a pas réellement d'intérêt à l'histoire. En fait, ce sont que des petites histoires, etc. etc. Ça se peut, ce qu'on a vu ici n'est même pas canon. Ça serait terrible. Attendez, je vais checker ça. Ça serait terrible. Classroom of the Elite 4.5. Canon. Je vais voir ça. Continuez, c'est ça aussi, je sais, ça m'a lâché. Ok. Ok, non, c'est... Non, les gens ont l'air de dire qu'il vaut mieux le lire. C'est mieux de le lire. Très bien. Très bien, c'est accepté, c'est accepté. Le référent, l'arbitre a dit que c'est accepté. Il y a 23 tomes. Chapitre 6, alors... Le VAR a validé, exactement. Alors, nous avons ici Katsuragi... Et Sakayanagi. Qui pendant un instant, je crois qu'elle avait une cravache. Et j'allais dire, mon dieu, bordel de merde. Terrible. Et qui a quand même... qui est petite. Je pense qu'elle est petite. Alors, oh, Manabu et Akane. Le président et la secrétaire. Manabu, c'est le président du conseil des élèves du lycée public d'excellence Kodokusei. C'est très mal écrit, c'est vraiment très moche. Et le grand frère de Orikita Suzune. Il est très strict avec sa sœur et porte un intérêt particulier pour Ayane Koji. Akane Tachibana, secrétaire du conseil des élèves, en terminale A, comme le président, elle le suit partout où il va. Très bien. Et bah, elle, à tous les coups, est amoureuse de Manabu. À tous les coups. 1000%.
Les antennes me disent que je ne dois pas laisser tomber. Oh, oh non, putain, merde. Je croyais un truc, ça allait me faire tilter insane. Je croyais qu'ici, la... Une minute. Je croyais que la jupe de la secrétaire était coupée. Genre là, juste vite fait sur le côté. Je croyais qu'il était légèrement coupé. Je veux dire, non. Sérieux, genre là, juste ici. Attendez, juste ici, là. Je croyais que c'était coupé. Je croyais que les gens pouvaient voir le sac. J'étais en train de me dire, non, c'est pas possible. What the fuck, y'a un truc aussi érotique là-dedans, the fuck. Mais c'est pas le cas. Oh. Je demande si Ibuki-chan est sportif. Je te mentirais si tu disais, je sais, là. C'est Ibuki et Orikita. Ouais, c'est les deux. Qui courent. Ah, Saki et Anagi et Anakoji. Très bien, très bien. J'aime bien... J'ai les personnes cheveux blancs, je les adore. Mais le fait qu'elle ait un béret, je déteste ça. J'apprécie la meuf pas trop psycho. C'est vrai que ça fait 8 ans, 243 jours. On pourrait fêter ça quand même, et... quand même, et... Un petit les sardines, là, de Sébastien Patrick, là. Let's go, quoi. De Patrick Sébastien. Eh, champagne, let's go. Eh, hey, Anakoji, on se tape la bise ou quoi? Eh, hey, check ça, ouais. Trop chiant. Alors bref, tome 6, le monologue de Kensudo, un des mecs teubés de la classe D. Honnêtement, je n'étais pas un être humain digne et on n'avait pas besoin de me le faire remarquer. J'ai décidé de devenir fort et de me débrouiller tout seul, lorsque ma mère qui travaillait dans le secteur du divertissement nous avait lâchés. Ah ouais. Terrible. Sa mère travaillait dans le secteur divertissement, nous avait lâché, très bien. Mon père, à mes crochets, était un simple concierge et sa simple vue me rendait malade. Comme j'étais un boulet, j'ai arrêté mes études et j'ai tenté ma chance dans le monde du sport. Je me suis tourné vers le tennis et le ping-pong, mais je n'avais jamais vraiment accroché. Peu importe à quel point je m'entraînais, je n'avais pas les capacités d'égaler les meilleurs. Puis j'ai découvert le basketball. En temps normal, je n'aimais pas les sports collectifs, mais miraculeusement, j'ai réussi à passer au-dessus de ça pour le basketball. La raison pour laquelle mes compétences avaient augmenté. J'ai même réussi à avoir une recommandation pour le lycée avec une des meilleures équipes du pays, c'est dire. Mais je me suis impliqué dans des activités violentes et on rejetait ma demande. Puis, je compris enfin. Je compris que j'étais un rebut, le fruit logique de déchets de parents. Voilà pourquoi j'avais choisi d'entrer dans ce lycée, l'endroit dans lequel je n'aurais pas à payer pour étudier et une école de rêve où même mon futur pouvait être assuré. Ouais, ok. On a juste un peu appris des trucs sur le passé de Ken, mais réellement, enfin de Sudo, mais réellement, le mec, je l'apprécie toujours pas. C'est toujours un mec un peu chiant. Chapitre 1, le début du festival sportif. Oh, le festival sportif, ok, très bien. Rokita. Pour trouver les cibles, il fallait comprendre qu'il y avait un lien entre le numéro du signe astrologique et la position des élèves dans l'équipe. Le lieu de rendez-vous était la table la plus éloignée du Café Palette. C'était la fin des vacances d'été et Hirata, Karuizawa, Rokita et moi-même encerclâmes la table. Hirata, Karuizawa, Rokita et Anakoji. Très bien, très bien. Donc à peu près les têtes pensantes de la classe. Le but était de faire un débriefing de l'examen qui avait eu lieu sur le bateau vers le milieu des vacances. Vérifier l'identité des cibles de chaque équipe. Rokita, le lapin est le quatrième signe zodiacal chinois. Dans l'équipe lapin, la liste présentait Anakoji, Ishinose, Ibuki-san et Karuizawa-san dans cet ordre. Karuizawa. Donc vu que j'étais quatrième dans la liste, on m'a désigné comme cible. Impressionné, Karuizawa hocha la tête. Malgré le fait qu'au premier abord, ces deux filles semblaient être comme l'eau et le feu à travers l'existence de Hirata. Mon putain de bordel de merde, je suis en train de tout niquer, il faut que je boive. Je bois vite fait. Malgré le fait qu'au premier abord, ces deux filles semblaient être comme l'eau et le feu, à travers l'existence de Hirata, cette incompatibilité s'effaça. C'était un mystère complet. Anakoji, cette règle est plutôt simple à appréhender. Tout le monde aurait pu le comprendre. Autrement dit, dans l'équipe dragon où tu étais, Kushida-san était cinquième de la liste, vu que le dragon est le cinquième signe. Après avoir entendu la réponse, Karuizawa planta sa paille dans sa brique et sirota du lait. Rokita, c'est exact. Assurément, lorsqu'on est vivant de cette règle, c'est assez simple. Cependant, arriver à cette conclusion au milieu de l'examen n'était pas une tâche aisée. Avec seulement 3 cibles dans notre classe, on ne pouvait pas prouver avec certitude que ça aurait marché. Alors ça dépend. Ça dépend. Parce que déjà, plusieurs règles
dans la plupart des jeux ou des examens ou des trucs comme ça, si une situation se répète 3 fois, la plupart du temps, ça, c'est plutôt confirmé que la chose, que la règle est réelle, quoi. Genre réellement. Dans les jeux vidéo, lorsque vous faites du game testing, si vous avez à faire 3 fois de suite de la même façon un bug, c'est officiellement le bug, vous connaissez la façon de régler le bug en fait, vous savez comment, quelles sont les étapes, etc., etc. Et c'est ça dans plein de trucs. Dans plein de trucs. Genre 3 fois, c'est genre la confirmation complète et totale. Et là en plus, comme c'était 12 groupes, si ça marche sur 3 groupes sur 12, tu peux presque t'affirmer que ça va marcher totalement partout. Enfin bref. Pour deviner cette règle, il aurait fallu connaître au moins 3 cibles d'une autre classe en plus de la nôtre. Mais cela n'enlevait rien à la probabilité que le raisonnement aurait pu être erroné. Mitigé, hein. Sauf que c'est pas un jeu, et que ce sont pas des testeurs, exactement. Mais quand même, moi je vous dis, la plupart du temps, le chiffre 3, parce que t'as 3 fois la même chose qui se passe, tu peux t'affirmer que la chose est constante. C'était une stratégie très risquée, au vu des dégâts considérables, donc ça passait ou ça cassait. Garata. Ce qui me turlupine, c'est la classe C. Je pense que c'est vers le milieu d'examen que Ryuen a découvert la règle. L'hypothèse de Hirata était très probable, sinon il n'aurait pas gagné comme ça. Yuzawa. Mais ce n'est pas bizarre? Si c'était le cas, pourquoi n'a-t-il pas réussi à prédire le résultat de l'équipe Lapin? Hirata. Je réfléchissais à ça aussi, c'est très bizarre. Il était vrai que Ryuen n'aurait pas dû se tromper. Ainsi que Urikita donna son point de vue sur la question. Urikita. Même si la classe C est dominée par Ryuen-kun, il y a peut-être des gens qui sont contre lui en secret? Hirata. C'est probablement vrai. Tous les élèves ont le droit de répondre. Donc ceux qui ne se conformaient pas au plan de Ryuen-kun ou qui ont échappé à son contrôle auraient pu très bien donner une mauvaise réponse. La possibilité n'est pas à exclure, surtout vu le nombre de points que l'on pouvait gagner personnellement. Le groupe lapin où il y avait Ayana Koji, Ibuki, et bah Ibuki a dû faire exprès de répondre à côté. Je pense. Non, plutôt, il a dû attendre la fin. Non, c'était bizarre, ok, c'était bizarre. Ah non! Je sais pourquoi, ok, c'est juste que les filles étaient contre Ryuen, c'est tout. Les hypothèses de Rokita et de Hirata étaient valides. Cependant, il ne pouvait être sûr de ce qu'il disait s'il y avait un traître. Et s'il y avait un traître, Ryuen s'occuperait allègrement de son cas. Était-il capable d'aller jusqu'à consulter les points privés de chacun des élèves de sa classe pour débusquer le traître? Rokita, qu'en penses-tu, Koji-kun? Après de telles paroles, les regards de Hirata et Kyaruzawa se dirigèrent vers moi. Je me sentis oppressé par ce regard un peu trop insistant. Koji, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée. Je vais énoncer cela dans l'espoir de les décevoir pour qu'ils dirigent leur regard autre part afin qu'ils s'intéressent à quelqu'un d'autre. Seul Kyaruzawa continue à m'observer. Je lui lance un regard à mon tour, puis elle détourna les yeux. Ça c'est drôle ça. Ça c'est drôle parce que littéralement il a fait exprès pour que Hirata regarde ailleurs. Et Kyaruzawa, elle, sait très bien qu'Ayane Koji, bah voilà, il est pas con. Donc elle la regarde encore. Et que je la regarde en mode, arrête. Et elle était là, ok désolé. Baisse les yeux, vraiment, c'est ça la phrase. Il a juste dit, arrête. L'homme s'est retourné, il a regardé, et il a dit, attendez une minute, oh, je suis en train de tout niquer, je vais pas faire ma blague parce que je mets trop de temps, ça marche, attendez une minute, ça marche pas, il y a un truc qui marche pas, attendez, je vais le régler. Je vais régler vite fait. Yo. Et yo Dimitri. Merci du follow, t'es devenu cool. Ok, c'est bon. Il y en a coolite, bien joué à toi. Donc, comme je disais, Anakoji s'est retourné, il a regardé, et il a dit, baisse les yeux. Il s'est arrêté ici, et elle s'est arrêtée. Il a dit, tu t'arrêtes. Elle a dit, d'accord. Et c'est ainsi que ça s'est fini. Tac, loulou. Ok, c'est l'heure de boire un petit peu. Ça va, Dimitri? Or maybe, hello, how's it going? Maybe you're English, maybe you're French, I don't know. Just asking. So I'm sure. How to talk to you. Tu encore un peu. Hirata. En tout cas, notre priorité est de consolider notre groupe.
Cela me fait plaisir de pouvoir vous parler avec comme cela, Kojiku et Urikita-san. Jusqu'à présent, Urikita ne voulait pas discuter avec Hirata. Cependant, après la fin de l'examen, des petits changements firent leur apparition, au point que l'état d'esprit d'Urikita se changea. J'ai compris que ce n'était pas raisonnable de se battre toute seule, notamment après s'être fait autant acculer. Urikita. On peut rien y faire, cet examen était un des seuls que l'on ne pouvait pas accomplir tout seul. Si un test de ce type revient à la charge, la coopération devrait être de mise. Il faut donc consolider nos relations. Il était évident que dans la société, il y aurait des épreuves insurmontables seules. Cela a joué pour changer la mentalité d'Urikita. Ce changement était salutaire, car il ne pouvait lutter seul indéfiniment. Urikita. Tu as quand même réussi à t'extirper des griffes de Ryu et Kun, contrairement à l'équipe d'Urikita. Yaruzawa était la cible d'un groupe de filles de la classe C, et cette dernière réussit à finir l'examen avec brio sans que son identité ne soit découverte. Cette victoire de l'équipe Lapin a donné à notre classe des points précieux. Yaruzawa. Je suppose que je suis bonne comédienne, pas vrai, Yusuke-kun ? Elle s'accrocha au bras de Hirata en souriant, des étoiles dans les yeux. C'est incroyable vu de la froideur actuelle de leur relation. Je me fichais de savoir si elle jouait un rôle ou non. Yaruzawa. Et puis, avant que Ryuen ne puisse répondre, quelqu'un avait donné une réponse erronée. C'est grâce à ça qu'on s'en est sorti. Depuis quand elle l'appelait Hirata par son prénom ? J'aimerais pouvoir faire de même, mais ce n'était pas possible. Peut-être qu'ils étaient vraiment rabibochés et qu'ils étaient devenus plus proches qu'avant. Leur dispute avait donc pas fragilisé leur relation, mais le contraire, elle s'était renforcée. Hirata rendit à Kaizawa un sourire et se tourna vers Urikita. J'ai une proposition à te faire, Urikita. Urikita resta silencieuse et ne répondit pas, montrant qu'elle était tout oui. Tout d'abord, afin de réunir la classe, je voudrais rallier Kushida-san à notre cause. Je pense qu'elle peut atteindre des élèves que nous ne pouvons pas, comme Aik-kun et Yamoshi-kun. D'emblée, d'autres gens suivraient le mouvement. En effet, celle qui était la plus qualifiée pour réunir tous les élèves était Kushida. Mais Urikita était-elle prête à l'admettre ? Il me fume comment il pense. C'est vrai qu'Inokoji est très cynique et plutôt froid dans sa façon de penser, mais ça reste quand même drôle. Il est en mode putain, chier. J'aimerais bien vivre aussi ma vie de lycéen, mais en fait non. Depuis le début, leur relation était au plus bas. Urikita, tu as raison, mais ce ne sera pas nécessaire. Nous pouvons le faire nous-mêmes, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Kaizawa et toi. Avec vous, nous pouvons contourner ce problème. Il me regarda du coin de l'œil. C'était vraiment malvenu de sa part. Yaruzawa. C'est sûr qu'Ainekoji-kun n'est pas du genre coopératif. Toutes deux hochèrent la tête pour montrer qu'elles étaient d'accord. Ainekoji. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous pensez que je ne coopérerai pas. Je fais partie de la masse et je ne fais que suivre le mouvement. Je suis du genre à ne pas m'imposer vu ma petite présence. Urikita. Ceux qui disent qu'ils ont une petite présence sont ceux qui généralement n'en ont pas. Oh putain. Ainekoji. Du coup, vu que tu ne dis rien, c'est pour ça que tu ne t'imposes pas. Urikita, moi ? Tu te moques de moi ? C'est évident que j'ai une grande présence, je n'ai pas besoin de le dire pour l'affirmer haut et fort. Ah, évidemment. À ce stade, cette situation n'était rien d'autre qu'un sketch, mais Urikita n'avait pas l'air de rigoler. Je ne pouvais pas vraiment le savoir au fond, mais elle m'avait l'air vraiment sérieuse. Urikita est beaucoup trop sûre d'elle, vraiment, et trop conne par rapport à ça. C'est terrible. Les gens trop sûrs d'eux, les trois quarts du temps, quand ils tombent, ça fait mal, ils prennent un sacré coup dans leur putain de fion. Finalement, après, ils deviennent plus humains et c'est tant mieux. Part 1. Quant au cours de l'après-midi, il devint un cours de 2 heures. Lorsque le professeur principal de la classe D arriva, il commença à parler avec indifférence. « Ouais, la waifu !» au modèle Shabashira. À partir d'aujourd'hui, les cours reprennent. Toutefois, pendant ce second semestre, de septembre à début octobre, pendant un mois, en prévision du festival sportif, le nombre de cours de PS augmentera. Retenez bien cela lorsque l'on vous distribuera vos nouveaux emplois du temps. De plus, du matériel sportif vous sera fourni. Les élèves qui sont devant distribueront les polycopies en question. À la seconde, ils entendirent le mot « festival sportif » des cris surgir d'une partie de la classe. Bien entendu, il y avait des élèves qui n'étaient pas non plus à l'aise avec le sport et qui gardèrent le silence. Mademoiselle Shabashira. Comme d'habitude, toutes les informations nécessaires sont sur le papier. Hirata. Sensei, est-ce que c'est un de ces examens spéciaux ? Tant que délégué de la classe, Hirata posa cette question. Tout le monde s'attendait encore à un test, mais une autre réponse bien plus surprenante sortit de la bouche de Mademoiselle Shabashira. Vous êtes libre d'interpréter cela comme vous voulez. Dans tous les cas, cela fait partie de la lutte interclasse. Ok, donc il y a des points en jeu, quoi. En disant cela, Mademoiselle Shabashira choisit une réponse vague qui n'était ni une affirmation, ni une contestation. Les cris surgirent des élèves qui n'étaient pas très athlétiques. Si c'était une école normale, leur impact serait inexistant. Mais étant donné que le résultat influait sur le poids des classes, l'ambiance était aux protestations pour ces derniers. Pour les élèves sportifs, ou qui avaient confiance en leur capacité physique, comme Sudo, c'était une aubaine. Ils pouvaient enfin contribuer à la classe avec leurs points forts sans avoir à utiliser leur tête. Urikita. Hey, Anakuji-kun, garde. Dans le brouhaha général, Urikita qui lisait la feuille remarqua quelque chose et pointa du doigt la ligne en question.
Moi aussi, en tournant la page du polycopier, je remarquais cette partie où était décrit le déroulement de l'examen. Cela ne dura qu'un instant, je sentis le regard de Mademoiselle Shabashira se poser sur moi. Certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais ce festival sportif se divise en deux équipes distinctes. Vous êtes dans l'équipe rouge avec la classe A. Durant toute la durée de l'examen, vous serez alliés. Oh ! Bug ! La classe B et la classe C faisaient partie de l'équipe blanche. C'était donc l'équipe rouge face à l'équipe blanche. À quoi ? Sérieusement ? Ça va vraiment se passer comme ça ? On ne pouvait pas étouffer la surprise de Ike. En effet, indépendamment du fait que ce soit un examen écrit ou un examen spécial, l'idée de base était que c'était un affrontement entre les classes inédit. Et comment cette coopération allait-elle prendre forme ? Ce n'était pas du tout comme durant les épreuves sur le bateau, d'autant plus que cela impliquait également les élèves de première et de terminale. Leur voisine, qui feignit la sérénité, était en train de paniquer. En effet, son frère Manabu Horikita faisait partie de la classe A des terminales, et sont les circonstances où on pouvait être amené à interagir avec lui. Nakoji, au moins c'est une occasion de lui parler, non ? Horikita, je ne veux pas que l'on parle de ça. À peine avoir mis le sujet sur le tapis, elle s'énerva. Horikita me fusilla du regard et tenait fermement un crayon extrêmement pointu dans la main. Priez pour qu'elle se calme. Mademoiselle Shabashira, d'abord regardez le résultat que l'on peut obtenir. J'ai pas envie de me répéter, donc ouvrez grand vos oreilles. Shabashira pointa le polycopier en expliquant les points importants. Je prêtai l'oreille tout en lisant le poly et on pouvait lire les choses suivantes. Oh, je vais pas y avoir Règle du Festival Sportif. Festival s'articule autour de deux équipes, blanche et rouge. Les classes A et D représentant l'équipe rouge et la classe B et C, l'équipe blanche. Allocation des points durant les épreuves générales. Première place 15, deuxième place 12, troisième place 10, quatrième place 8. Un point sera retiré pour une place inférieure à la cinquième place. Oh, ok. Allocation des points durant les épreuves optionnelles. Première place 50, deuxième place 30, troisième place 15, quatrième place 10. Deux points seront retirés pour une place inférieure à la cinquième place. La course de relais, qui sera l'épreuve finale, vaudra 3 fois les points. Impact du duel équipe rouge versus équipe blanche. L'équipe perdante se verra pénaliser 100 points. Impact du duel entre équipe rouge versus équipe blanche par année scolaire. La classe qui arrivera première gagnera 50 points de classe. La classe qui arrivera deuxième ne gagnera rien et ne perdra rien. La classe qui arrivera troisième perdra 50 points de classe. La classe qui arrivera quatrième perdra 100 points. Wouah, c'est énorme! Putain, mais c'est... What the fuck? C'est violent! Genre, en fait... En fait, le truc qui est terrible, c'est que les épreuves générales font moins de points que les épreuves optionnelles. C'est incroyable. C'est quand même terrible. Mais en plus de ça, si vous êtes cinquième ou moins, vous perdez des points. C'est un peu étrange. Il y a quatre classes. Pas le droit à la défaite. Bah ouais. Surtout en plus, si genre le total des équipes, si le total des équipes, il y en a une qui perdent, l'équipe perdante sera pénalisée de 100 points. Il faut bien pouvoir voler des points, sinon les classes bougeront jamais. Exactement, ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Désolé. Attends une minute. En fait, la question que je me pose, c'est que ces points-là, en fait, c'est pas des points... C'est pas des points personnels, en fait. C'est des points par rapport au tournoi total de l'épreuve. C'est la toute fin, en fait, qui fait mal. C'est genre, en fait... Donc les classes... Ah ouais. En fait c'est là ici où c'est les points de classe réellement. Ça c'est les points de sport en fait. C'est les points des épreuves. Ouais. C'est pas genre leur yen. C'est pas leur argent. Ça c'est leur argent. Et donc ouais, tu te rends compte, si tu perds 100 points de classe, c'est violent vraiment. Bref. Ike. Ça signifie qu'il faut se donner à fond. La pénalité de l'équipe perdante n'est vraiment pas dérisoire. Assurément, perdre 100 points de classe était un gros problème. Il y a d'autres choses qui me préoccupaient. Hirata. Sensei, combien de points l'équipe vainqueur obtient? Ça n'a pas l'air d'être mentionné. Ah, c'est vrai que juste l'équipe qui perd 100 points, l'équipe qui gagne, il n'y a rien en fait. Mlle Shabashira répondit simplement par un mot bien cruel. R-I-E-N. Rien. L'équipe gagnante évitera tout simplement le malus de 100 points.
Ah, wow, vous êtes sérieux? C'est chaud, là! La classe était tellement agitée qu'on se serait cru dans un pandémonium. Jusqu'à présent, une prise de risque était récompensée par un bénéfice. Le jeu en valait vraiment la chandelle. Or, dans cet examen, on ne jouait que le maintien. Bah, vous dites ça, mais s'imaginer à l'inverse, l'équipe perdante a rien et l'équipe gagnante gagne 100, c'est pareil, en fait. Genre, c'est la même chose, en fait. Bref, mademoiselle Shabashira. Donc, même si l'équipe rouge dans laquelle vous êtes gagne, vous perdrez 100 points si au classement individuel des classes des secondes vous êtes dernier. Autrement dit, nous ne récoltions aucun bénéfice de notre victoire avec les rouges. L'heure n'est donc pas la rigolade. En gros, l'établissement voulait qu'on lutte jusqu'au bout pour ne pas qu'on se la coule douce. En effet, même si notre classe terminait première du classement interclasse des secondes, gagner 50 points ne compenserait pas la perte des 100 points dans lequel l'équipe blanche gagnerait la compétition. Ah ouais, non, ok, c'est totalement des points de classe entières, même la totalité du truc. Wouah. Ok. Eh ben, c'est violent, en fait. En effet, même si notre classe terminait première du classement interclasse des secondes, gagner 50 points ne compenserait pas la perte des 100 points dans le cas où l'équipe blanche gagnerait la compétition. Pire encore, on perdrait 200 points si on perdait la compétition et que la classe D se classait dernière au classement interclasse des secondes. On devait donc tout mettre en œuvre pour gagner que ce soit avec l'équipe rouge ou pour le classement individuel. En y réfléchissant bien, cet examen était bien plus strict que les précédents, mais il y avait tout de même des bonus à récolter. Ah, récompense des épreuves à l'échelle individuelle. Oh, les points gagnés peuvent être utilisés pour les examens de mi-semestre. Oh, nice. Les élèves qui se classeront à la première place dans les épreuves recevront 5000 points privés ou 3 points pour une note d'examen écrit. Dans le cas où les points sont choisis, ils ne pourront pas être donnés à d'autres. Ok. Les élèves qui se classeront à la deuxième place dans les épreuves recevront 3000 points privés ou 2 points par une note écrite. Son troisième, 1000 points ou 1 point des notes d'examen. Et donc, quatrième... Non, les élèves qui se classeront à une place inférieure se verront retirer 1000 points de leurs points privés. Dans l'actualité où les points d'élèves sont inférieurs à 1000, ils perdraient un point d'examen écrit à la place. Wouah! Wouah! Donc, si t'as 0 et que tu perds, tu vas devoir charbonner encore plus. Terrible. Concernant la triche, n'oubliez pas de vous conformer aux règles et de lire attentivement. Toute transgression ou manquement sera passible de disqualification. Ceux agissant avec des intentions malveillantes seront assujettis à une confiscation de leurs points privés. Récompense du meilleur élève général. L'élève qui aura effectué les meilleures performances, toute épreuve et année confondue, recevra 100 000 points privés. Récompense du meilleur élève pour chaque niveau d'études. Les 3 meilleurs élèves de chaque niveau d'études qui auront effectué les meilleures performances recevront 10 000 points privés. Oh, c'est quand même beaucoup pour de vrai. Là, le truc sportif, il est violent sa mère pour de vrai. Bien que cela paraissait désavantageux par rapport aux précédents examens, au niveau individuel, on pouvait prétendre obtenir de belles récompenses. Et c'est sur quoi on devait focaliser notre attention, étaient les bonus et les malus des compétitions individuelles. Des informations dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui furent aussi ajoutées. Aïk, Sensei, pouvez-vous être plus précise pour les gains? On peut obtenir des points pour des examens écrits? Aïk demanda à mademoiselle Shabashira d'expliquer plus en détail la chose qui était inhabituelle de sa part. Vous êtes Shabashira, et ça a échappé un petit rire. C'est extrêmement drôle, ça. Et pourquoi est-ce que ça marche, Mademoiselle Shabashira? C'est parce qu'en fait, comme Ayana Koji et Orikita avaient déjà payé contre des points, une note, genre un point de... Enfin, comment dire? Ils avaient échangé des points privés pour avoir plus 1 à la note de Sudo aux premiers examens. Le fait qu'elle se marre... Et que Aïk pose la question, c'est-à-dire que Ayana Koji et Orikita n'ont pas partagé cette information avec les autres. Réellement. Et c'est pour ça qu'elle se marre. Et ça se comprend. Mademoiselle Shabashira, c'est exactement à ce à quoi tu penses. Tu n'es pas bon en anglais et en mathématiques, il me semble. Tu pourras arrondir tes notes dans les examens de ces matières-là. Vous pouvez répartir vos points comme vous voulez, tout en sachant qu'un point pourra peut-être vous sauver une matière à l'avenir. La classe était toujours bruyante, mais pour ceux dont le seul domaine de prédilection était le sport, les cris surgirent. Putain de merde, j'ai hâte! S'ils se donnaient à fond lors du festival et qu'ils obtenaient des points, ils pourraient les utiliser à bon escient. Pour reformuler la chose, ça pourrait les sauver d'une expulsion s'ils n'avaient pas un jour la moyenne à un examen. Pour les cancres de la classe, cet événement était une aubaine. Et pour les élèves studieux comme Hirata et les autres, ils pouvaient à la place obtenir des points privés. On ne pouvait donc pas se plaindre à ce niveau.
En laissant de côté les trois idiots de la classe, il y avait plein d'autres élèves qui n'étaient pas sereins concernant leurs compétences académiques, surtout quand on savait que l'on pouvait être exclu de l'établissement en cas d'échec. Mais il devait forcément y avoir une contrepartie, c'était trop beau pour être vrai. Après la fin de toutes les épreuves, un décompte de points sera effectué et pour les 10 derniers de chaque année d'études, les pénalités seront appliquées. Les pénalités diffèrent concernant le niveau d'études, alors veuillez vous référer à votre professeur principal. Ouh, ça va faire mal. Tout cela était bien problématique. Hirata, Sensei, quelle forme vont prendre ces pénalités? Mademoiselle Shabashira. Pour vous, les élèves de seconde, votre pénalité sera une réduction de points à votre prochain examen écrit. Les 10 derniers élèves se verront enlever 10 points chacun. Quant à savoir comment, cela vous sera expliqué au prochain examen écrit. Je ne réponds plus aux questions maintenant sur les épreuves. Ah ouais, comme ça. Ouah, vraiment? Autrement dit, si Ike se retrouvait dans les 10 derniers des élèves de seconde, il perdrait 10 points sur le prochain examen écrit. Ça rendait les choses bien corsées. Vu les explications plutôt brèves, il fallait étudier en priorité le fonctionnement des épreuves. Elles étaient divisées en deux catégories, les épreuves générales et les épreuves optionnelles. Le premier type d'épreuve était obligatoire pour tout le monde, tandis que le deuxième type ne l'était pas. Les 100 mètres individuels ainsi que les compétitions de groupe comme le tir à l'arc, non, tir à la corde, faisaient partie des épreuves optionnelles. Oh. Pour les épreuves optionnelles, cela impliquait que des élèves seront sélectionnés par leur classe pour optimiser les chances de victoire et peu importe à combien d'épreuves ils participent. Ah, donc les termes peuvent dire « Sudo, fais toutes les épreuves optionnelles et démerde-toi, fils d'eux. » Ils peuvent dire ça. Là où il devrait y avoir des discussions serait pour les épreuves optionnelles de la chasse au trésor, de la course à trois pieds mixte et du relais 1200 mètres. Et là encore, seuls les meilleurs d'une classe se présenteraient. Toutefois, même si les règles étaient simples, il fallait être méfiant au vu des nombreux malus. Il fallait garder un œil sur les classes B et C tout naturellement, mais aussi sur nos alliés, la classe A. Même si nous coopérions avec eux pour faire gagner l'équipe rouge, il fallait agir de façon proactive de notre côté pour éviter de recevoir les malus de classe en s'illustrant à travers les différentes épreuves individuelles. Tout comme les épreuves de l'île déserte et du bateau, tout était fait pour éviter que ce soit une simple promenade de santé. Mademoiselle Shabashira. Tout ce qu'il y a à savoir sur le festival et sur le polycopier. Tout y est et aucun changement ne sera effectué. Aïe, c'est vraiment pas évident, ça n'a rien à voir avec le collège. Épreuve générale, 100 mètres sprint, course de haies, capture de drapeau, garçon seulement, lancer de balles, fille seulement, tir à la corde, course d'obstacles, course à trois pieds, bataille de cavaliers, 200 mètres sprint. Épreuve optionnelle, chasse au trésor, tir à la corde omnidirectionnelle, course à trois pieds mixte, relais de 1200 mètres. Toute année confondue mixte. Ça fait quand même pas mal d'épreuves. Il y avait 13 épreuves en tout, et elles allaient se dérouler dans l'ordre indiqué par le polycopier. Le mécontentement de la classe se fit entendre à cause du trop grand nombre d'épreuves obligatoires. Bah quoi, il y en a genre 8, 10 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Ça va. Tout quoi, 100 mètres sprint c'est un mec, c'est une personne, ça c'est une personne, une personne, une personne, ça c'est toute la classe normalement, ça normalement c'est une personne, ça c'est deux personnes, ça c'est quatre personnes à chaque fois, non c'est même toute la classe, ça normalement c'est une personne, enfin bref. Aïk, pour chaque personne ça devrait être grand max 3 ou 4 épreuves, et puis il y a le temps de faire tout ça en une journée. Zel Shabashira. Merci de ton attitude, Ike. L'établissement sait ce qu'il fait. L'événement sera très sobre et offrira surtout des épreuves d'endurance. Rien de plus, rien de moins. Il faudra faire avec. Les objections des élèves, mauvaises en sport, étaient vaines. Mademoiselle Shabashira continua. Il est capital de mettre au point un tableau où les événements qui se dérouleront y seront décrits. Grâce à ce tableau de bord, vous sélectionnerez vos participants et l'ordre dans lequel vous passerez. Comme ce système d'organisation est inédit à ma connaissance, veillez à ne pas vous tromper. Hirata. Décidez de notre ordre de passage? Jusqu'à quel niveau? La question de Hirata était assez évidente et la réponse fut rapide. Mademoiselle Shabashira, pour toutes les épreuves qui se dérouleront lors de cette journée, vous déciderez de tout dans les moindres détails. Il faudra donc des discussions préalables du groupe pour réfléchir à la manière dont vous allez gérer les participations. Tout changement après le délai imparti ne sera pas pris en compte et il est primordial de garder ça en tête. Ah, ils n'ont pas le droit de changer de gens au milieu. Aïe aïe aïe, I'm your little butterfly. Hey yo Dimitri, hey yo, how is going? I was wondering if you were English or French, but you're English. And also, that song, I've heard it way too much.
Yeah. It's just a song that is made to get in your head, and that's all. I do not like it. I personally do not like it. But anyway, I hope you're doing fine on this fine day. And sadly, I'm reading in French, so you probably do not understand. I'm sorry. La période pour envoyer votre tableau de bord des participations se déroulera 7 jours avant le festival jusqu'à 17h la veille de l'événement. 7 jours avant? Ok. Passé ce délai, les sélections se font aléatoirement. Il est évident que si vous laissez le hasard décider vos participations, alors vous serez exposé grandement vos classes au malus. Alors vous exposez grandement vos classes au malus, ouais. Un tableau de bord rempli et la preuve d'une stratégie a été mise au point. Rikita. J'ai une question, mademoiselle Shabashira. Après avoir écouté calmement jusqu'à maintenant, Rikita leva la main. Mademoiselle Shabashira, posez autant de questions que vous le pouvez, c'est le moment. En disant cela, mademoiselle Shabashira rit doucement. Hiratate, comme Rikita, en quelque sorte, avait compris comment cette école fonctionnait. C'est parce qu'il savait que poser des questions dans ce moment où la pression n'était pas encore là était la meilleure chose à faire pour bannir tous les doutes le jour J. Rikita, lorsque l'on décide du tableau de bord, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais s'il y a une absence, que fait-on? Si cela arrive pendant une épreuve individuelle, cela sera compté comme une absence, j'imagine. Et pour une épreuve collective comme la bataille de cavaliers ou la course à trois pieds, mademoiselle Shabashira. Concernant les épreuves générales, dans le cas où l'absence des personnes vous fait chuter en dessous du nombre requis de participants, vous serez considéré comme inapte et donc disqualifié. Dans le cas de la bataille de cavaliers par exemple, s'il manque un membre, vous ne pourrez former un cheval complet, certes, mais vous devrez concourir en faisant avec. Idem pour la course à trois pieds. Vous devez donc prendre en considération les imprévus et faire en sorte que personne ne se blesse ou ne tombe malade. Il fallait donc, en plus de sélectionner des bons éléments, vérifier qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils n'étaient pas blessés. Mademoiselle Shabashira. Cependant, il y a tout de même des exceptions concernant les épreuves optionnelles, où il est autorisé d'utiliser des remplaçants. Et pour éviter tout abus, nous avons décidé que tout remplacement serait possible moyennant des points. Ah ouais. Ainsi, l'établissement nous faisait payer pour nous empêcher d'abuser des remplacements. Rikita. Et si notre santé se dégrade entre temps, nous subissons une blessure et que la personne décide de continuer plutôt que de voir le médecin? Mademoiselle Shabashira. Fondamentalement, nous laissons le choix aux élèves, car l'autonomie est indispensable dans la société à laquelle vous serez confronté. Le jour où vous devrez faire une présentation importante, vous n'allez pas annuler parce que vous avez de la fièvre. Il faut savoir prendre sur soi. Donc même si on tombait malade, vous ne pouvez pas se retirer comme ça. On devait prendre sur soi et être raisonnable. Mademoiselle Shabashira. Mais si votre condition physique arrive à un niveau où vous ne pouvez plus tenir debout, alors vous pouvez vous retirer. Rikita. Je comprends. Pour un remplacement, combien de points devra-t-on dépenser? Mademoiselle Shabashira. 100 000 points privés par épreuve. Libre à vous de considérer cela cher ou bon marché. Je vois. Merci. C'est un montant que l'on pouvait se permettre avec l'effort de classe, mais ce n'était pas pour autant bon marché. Cependant, nous devions prévoir qu'en cas de coup dur, un remplacement pouvait s'avérer indispensable. C'est là qu'il risque d'avoir des gens qui font exprès de jouer un peu violent derrière. Mademoiselle Shabashira. S'il n'y a pas d'autres questions, alors nous arrêtons. Elle regarda la salle. Les deux camarades étaient encore dubitatifs et se regardaient tout chuchotant, mais n'osa rien demander au professeur. Mademoiselle Shabashira. Pour le prochain cours, on vous donne rendez-vous au gymnase. Vous serez mêlés à d'autres années et d'autres classes. Regardant sa montre, elle nous spécifia qu'il restait toujours du temps. Il reste 20 minutes de cours. Vous êtes libre de les utiliser comme vous voulez. Le silence pesant qui régna sur la classe se brisa. Des petits groupes se formèrent pour parler du festival. Tsudo, Aik et Yamoshi s'approchèrent de Rikita. Aik, Rikita, il faut qu'on trouve un moyen de gagner. Tsudo, ouais, je suis d'accord, il faut qu'on s'empare de la première place. Rikita, qui a regardé les garçons s'approcher d'elle, soupira. Rikita, je me demande pourquoi c'est toujours ce genre de personnes qui viennent à moi. Enekoji, c'est la dure réalité, tout simplement. Je ne te le fais pas dire. Mais elle avait l'air tout de même à l'écoute et ouvrit son cahier. Rikita, bon. J'ai écouté vos propositions. Aik, oh super! Aik leva sa main avec enthousiasme et Rikita pointa la mine de son crayon vers lui et lui sonna de parler. Aik, je voudrais gagner tout en m'amusant. Rikita, t'as pas cette proposition? C'est pour dire des âneries, tu peux te taire! Le coup à net. On ne pouvait rien y faire si ses espoirs furent réduits en miettes. Sudo, il y a moyen de faire gagner la classe D. Sudo parla avec assurance. Rikita, je n'attends rien de toi, mais je t'écoutais. Ah ouais! Rikita en mode. Ça sert à rien, mais vas-y, parle. Sudo, je ne sais pas pour les épreuves générales, mais pour les épreuves optionnelles, je compte toutes les faire et gagner. Sudo avait confiance plus que quiconque en ses capacités. Rikita, c'est du même niveau qu'Aik à la différence où tu es celui qui est le plus sportif dans notre classe. C'est pas une mauvaise idée de te faire participer à toutes ces épreuves optionnelles, et c'est autorisé en plus. J'étais d'accord aussi, mais il semblerait que Aik et Yamoshi furent mécontents.
Ike. Nous voulons nos chances aussi de briller. En étant sur le podium, on peut obtenir des points pour les examens. Okita, oui, mais vous réduisez les chances de la classe D de gagner. Ike. Ok, mais on a quand même le droit de vouloir se présenter. Okita, ces preuves optionnelles seront l'occasion de déployer les plus forts de notre classe, et tu n'en fais pas partie, Kanji. Ike. Donnez-nous nos chances au moins, c'est notre droit. Okita, bon, la discussion est close, on n'arrivera à rien. Même si elle était capable d'argumenter plus en profondeur avec Ike, elle préféra stopper la discussion, car elle n'était pas le seul à penser comme ça. Toutefois, il semblerait que Sudo fût réjoui. Sudo. Franchement, je peux tout gérer, pas besoin de diminuer vos chances. Je comprenais ce que voulait dire Sudo, et Okita aussi, vu qu'elle ne le rejeta pas. En effet, Sudo, qui était mauvais en cours et fort en sport, était le candidat idéal. Et pas sûr que toute la classe serait d'accord pour qu'il rafle tout, même si c'est le plus sportif d'entre nous, et que c'est pour le bien de la classe. Un certain nombre d'élèves rêveraient de pouvoir avoir des points en réserve pour éviter la menace de l'expulsion et voudraient mettre la main à la pâte. Okita, je soutiendrai ta participation quelle que soit l'épreuve, mais ça ne veut pas dire que tu pourras toutes les faire. Sudo, qu'est-ce que tu veux dire? L'endurance est limitée et tu accumuleras de la fatigue, ce qui freinera ta course aux victoires consécutives. Même fatigué, je pourrais toujours faire mieux que les autres. Regardant les garçons, dont moi, Sudo eut un rire méprisant. Ike et les autres, frustrés, ne pouvaient pas le contredire. La discussion ne menait vraiment à rien. Okita, décidons tout ça lors de notre prochain rendez-vous. Cela ne sert à rien de continuer plus longtemps. Okita mit un terme rapidement à la discussion quand elle vit que cela allait tourner en rond. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir. Parce qu'en fait, j'ai encore plein de trucs à faire. Et Mlle Shabashira avec... Très bien. Là-dessus, il y avait un autre dessin. Ah, Sakayanagi. Tiens donc. Elle est 1000 fois plus belle sans son béret. C'est insane. Donc on est à la page 20. Plutôt 21. Toi, Marie, blush. Et Sia. Pourquoi tu blush, Zlaban? Qu'est-ce qui t'arrive? Shabashira. C'est vrai que Shabashira, elle est plutôt cool. Je l'aime bien. Après, elle est quand même dangereuse. Sakayanagi, pour de vrai... En fait, ce qui se passe, c'est que personnellement, la plupart des personnages qui sont de taille petite, et je ne parle pas des lolis parce que je n'aime pas ça, clairement pas, la plupart du temps, elles sont ou coudérées ou très intelligentes. Et c'est les personnages que je préfère le plus. Il y a aussi les Dragon Girls, que j'apprécie énormément. Et là, par exemple, Sakayanagi, cheveux blancs, avec une tresse assez courte, assez longue sur les côtés. Ça se voit clairement qu'elle est intelligente parce qu'elle est chef de la classe A. Elle doit prendre une canne en plus pour marcher, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un problème pour marcher, etc. Donc c'est incroyable. C'est pas parce qu'il y a une petite taille que c'est une loli. Je sais, très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est sur Internet. Et que sur Internet, les gens sont cons. Sur Internet, les gens te font dire B ou C alors que ton propos était juste A. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, tu dis quelque chose et les gens vont croire les conséquences. Alors que juste non. Juste non, en fait. Et les gens sont complètement cons. Genre, c'est ça, c'est genre, tu vas dire... Tu vas dire à un mec que blâle, tu vas dire qu'il est con. Et d'un coup, le mec va dire, ah ouais, tu dis ça parce que je suis noir. Tu vois? Genre, certes, la phrase est maintenant presque devenue une phrase utilisée dans des situations comiques. Mais réellement, les gens sur Internet disent ça de façon sérieuse. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Réellement, c'est terrible. Les gens sont cons sur Internet. C'est un nom taper le doigt, XD. Taper manger. Taper manger, Gontran. Gontran le meilleur. Gontran, c'est vraiment mon favori. Mais franchement, faut que je m'achète un meilleur processeur. Si... Moment pub. Désolé. Parce que normalement, j'ai prévu d'avoir un modèle 2D. Mais ce qui se passe, c'est que mon processeur n'est pas assez bon. Et il faut que... Il m'en faut un bon. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai besoin de vous les gens pour m'aider à me payer... à mon modèle ou mon processeur, en fait. De toute façon, dans les deux cas, ça sera l'argent juste qui m'aidera plus qu'autre chose, en fait. Habituellement, j'aime pas faire ce genre de trucs, vraiment. Ça me fait chier. Ça chiant, ça fait genre demander la main à la patte et tout ça. Ah, j'aime pas ça, mais littéralement, je le dis parce que c'est le cas actuellement. Faut mettre des liens, j'ai un exemple typique. Ah! Ah, vas-y, monte la banne.
Yeah, I'm your little butterfly. Yeah, I know. You said that already. I know. Alors j'ai cliqué dessus. C'est très vrai. C'est très vrai ce que t'as envoyé, Elzaban. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est genre, tu vas dire, oh, j'ai bien la couleur rouge. Et j'en vais être là. Donc t'aimes pas le bleu, t'aimes pas le vert, t'aimes pas le jaune. Oh bah tiens donc. Tu vas dire, oh, bah j'aime bien les femmes de petite taille. Et j'en vais dire, oh bah t'aimes bien les lolis. Oh bah tiens donc, t'es dégueulasse, c'est un lolicote, t'es un pédophile. Tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est terrible. Non, je déteste les putains de lolis. C'est chiant, ça me casse les couilles. Personnage comme ça, ça me casse les couilles. Internet was a mistake. Oui et non. Le mois prochain, je vais voir pour t'aider un peu, je pense, au possède d'un mois. Ah ouais? Ah ouais, Yuma? Attends, envoie-moi ça en MP, que je voie. Que je voie en fait ton modèle et la personne auquel tu fais référence. Que je voie. Et Internet était une erreur, mais en fait, mais en même temps, non, en fait. Parce qu'à la fois Internet, c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. Mais sauf que les gens ont un énorme côté malsain. Enfin, pas malsain, mais... à chercher la merde pour rien. À chercher le mal alors que réellement, il n'y en a pas. Et c'est terrible. Voilà, je me suis un peu allongé sur ma chaise, un peu violemment, parce que j'ai tourné la tête sur le côté. Les gens cherchent la merde pour que dalle. Pour rien. Et pour des trucs complètement cons, des gens qui n'ont aucun sens ou aucun rapport. C'est juste que les gens voient le mal de partout alors que c'est... complètement faux sa mère. Complètement faux sa mère. C'est terrible. Moi je dis réellement... en toute honnêteté, perdez pas votre temps avec les trucs négatifs. Les trucs chiants, les gens chiants, les personnes à problème ou j'en sais rien, perdez pas votre temps avec eux. Genre réellement. Ils valent pas le coup. Ils sont chiants. Ça va vous faire perdre du temps, ça va vous faire chier. Certes, vont faire des choses qui pourront peut-être vous nuire, mais ça ne sert. Ils sont tellement inutiles, ils sont tellement à chier que littéralement, à un moment ou à un autre, ça va se retourner contre eux et c'est bien fait pour leur gueule. Et si c'est nous la personne à problème? Si c'est toi-même la personne à problème et tu t'en rends compte, c'est dire que tu peux régler le problème. Déjà. Oh! Attends, donc ça, c'est le modèle de la personne qui ressemble trop. Et toi, attends, toi, t'es le premier ou t'es le deuxième? Attends. Toi, t'es le premier, Yuma, non? Ah ouais, c'est... beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, je pense que tu devrais changer des trucs. Je vais te dire ça, mais je pense que tu devrais changer des trucs. Je sais pas si t'as pris ça d'inspiration ou autre, mais ouais, vaut mieux que tu changes. Vaut clairement mieux que tu changes. Parce qu'instantanément, les gens vont tout de suite chercher la petite bête et à casser les couilles. Et il y a ça de partout. Dans certains cas, c'est prouvé. Genre réellement, ça se voit clairement. Dans d'autres, non. Mais là, les gens risquent de te faire chier pour ça. Ah ouais? Après, je sais pas qui c'est. Ça se peut, c'est... je sais pas qui c'est. Rui Kamishiro. Projet Sekai. Ah ouais. Ah ouais. Si en plus c'est un personnage de jeu vidéo, c'est encore plus dead. Projet Sekai, c'est extrêmement connu en plus au sein de la commune VTuber. Ouais, tu sais que réellement... ouais. Tu sais que de toute façon, tu sais que même moi, j'ai un peu peur de ce que les gens vont dire de mon modèle 2D. Tu vois, mon modèle 3D, il est assez unique parce que, bon, il y a 2-3 trucs, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des marques sur les yeux, qui ont la couleur orange, ou même qui ont des cheveux de noir à blanc, tu vois. Je reste quand même un peu à part. Mon modèle 2D, j'ai un peu peur, pour de vrai. j'ai quand même un peu peur. Ces gens vont voir si les ressemblances sont des trucs comme ça par rapport à d'autres. Normalement, non. Normalement, non. Donc, j'espère. Mais après, toi-même... je sais pas ce qui te ferait plaisir, ce que tu voudrais changer ou autre.
Mais vaut mieux que tu changes des trucs. Vaut mieux que tu changes des trucs, ouais. Ouais, vaut mieux, sinon tu... Ouais, tu es dans la merde. Je dis ça tout de suite, tu es dans la merde. Et comme j'ai dit... Déjà obligé, là. Ça dépend, hein. Tu sais, la coupe de cheveux, tu peux carrément faire autre chose. Tu peux garder à peu près le même, même thème et couleur, mais changer comment elle est faite, la coupe de cheveux. Enfin, bref. Et comme j'ai dit auparavant, dans certains cas, bah, les gens savent pas. Ils sont juste pas au courant et ils voient qu'il y a une ressemblance ailleurs. Comme moi, mon pseudo, que je savais pas que c'était ressemblant à un autre mec à problème sur Internet, où j'en avais aucune idée. Et clairement, bah, ça me dégoûte un peu. Mais dans d'autres cas, ça se voit à des putains de milliers de kilomètres. Hein. Genre même beaucoup, beaucoup trop. Des gens qui sont des modèles VTubers et qui ont un bandeau de Naruto, un bandeau de Konoha ou autre, ça déjà c'est interdit, t'as pas le droit. Font une tenue spéciale dès qu'il y a un redébut d'une autre personne qui a un thème et que le thème et que la tenue spéciale de la personne est juste une copie complète de la chose, ça passe pas non plus. Faut réfléchir un peu, quoi. Genre une fois, allez, deux fois, c'est mort. Deux fois, c'est mort. Ouais, je pense que Yuma faudrait... Je sais pas ce que tu aimes ou... En fait, tu sais que pour de vrai... Tic-tic-tic pour de vrai. Tic-tic-tic pour de vrai, là. Tic pour de vrai. Pour... Putain, en plus, j'aurais dit, bordel. Se faire un modèle de VTuber, en fait, à la fin, je me rends clairement compte qu'il faut... pas juste trouver des idées à gauche à droite, mélanger et faire un truc. Faut que t'aies un thème assez précis ou un mot-clé ou quelque chose... qui à la fin te fasse une idée complète. Je vais vous montrer ça ailleurs. Voilà, on va changer la catégorie. Comment changer la catégorie? Putain, ça ils ont tout changé. C'est quoi ça? Catégorie Just Chatting. Discussion. Et tout sauf le modèle actuellement. Ah ouais, ah ouais, c'est un peu autre chose. Et donc tac 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 tac. Ok. Genre par exemple, moi un des plus gros exemples, c'est Rosemi. Rosemi, elle, c'est incroyable comment elle a été faite. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en gros, elle s'appelle Rosemi Lovelock, donc juste une rose. Et littéralement, il y a des roses un peu de partout. Tu dis ok, elle s'appelle Rosemi, il y a des roses. C'est logique. Mais quand tu regardes un peu plus près, en fait, tu te rends compte que tu dis pourquoi est-ce qu'elle a des collants verts? Et pourquoi il y a des épines dessus? Attends une minute. Une rose, c'est une plante. Donc c'est sûr que la tige est verte et qu'au-dessus, il y a la plante. Littéralement, les fleurs de rose. Et littéralement, il y a des roses un peu de partout. Donc tu vois, littéralement, le thème est là. Et c'est bien pensé et c'est bien fait. Rosemi, ça m'a... Ouais, d'ailleurs, la musique de Rosemi. Oh, j'ai envie de mettre... Désolé, mais faut que je mette le thème de Rosemi. Il me fait beaucoup rire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son thème, il fait très rire. Et bon, vous avez compris, c'est pour ça en fait, faut avoir un thème, faut avoir une idée. Comment elle s'appelle, ça, celle du même... Kawaii. 1, 2, 3, go. Rosemi sama. Rosemi sama. Pareil, Petra Gurin, elle aussi. Petra Gurin, qui ressemble énormément à un pingouin en fait. Genre en termes de nom. Ouh putain, il y a un truc un peu. Heureusement qu'il y a ma tête qui cache parce qu'il y a un cul. Genre, tu vois, c'est pareil. C'est genre en fait, c'est une pingouin qui apparaît, les petits boules de ses cheveux, ça fait la houppette, c'est avec la couleur jaune qui paraît chez les pingouins. Ses manches, bah, c'est comme un manchot en fait, clairement, et c'est des nageoires, c'est pas des mains. Même le bas de sa queue, bah il y a le bas du queue d'un pingouin. Enfin, tu vois, c'est... Si feuille d'isène, ça passe. Ouais, mais quand même. Quand même, faut faire gaffe. Et en fait, c'est ça le truc, c'est même tout en termes de couleurs, c'est le noir, blanc et jaune-orangé. Jaune-orange. Qui est tout comme un manchot, un pingouin, quoi. C'est ça le truc. Normalement, tu vois, elle aussi, elle est extrêmement bien pensée. Son thème est trop bien fait.
C'est un prince peureux et bottom, le mec prince, malgré lui, tu vois, en mode isekai. Je vois le thème, mais... On va prendre un exemple isekai. Notre bon vieux collègue isekai que j'aurais bien voulu, j'aurais adoré voir un peu plus. Le mec était prince des neiges. Oula, attends, je suis sur Danboru, c'est pas bon ça. J'aurais bien voulu un peu plus parler avec isekai pour, avant qu'il s'arrête. Et bah lui, tu vois, c'était un prince des neiges, et ça se sent plutôt clairement en fait. Et ce qui se passe en fait, c'est que lui, il avait quand même une personnalité qui allait bien. Il savait entretenir les gens, il savait divertir, etc. Il était très très cool. Mais tu vois, en termes de thème, bah... Ok, on le voit, on comprend. Tu vois, il a un peu une veste avec les poils souvent d'animaux qui sont vraiment pour bien tenir chaud. Il a les flocons neige à gauche, à droite. Il est plutôt bien habillé. Je pense qu'il est mieux habillé sans la veste. Après, il y a des petits slams avec lui, bon, ça c'est vite fait marrant. Mais tu vois, à la fin, lui, c'était un prince des neiges, tu vois. Et... En fait, ce qui se passe, c'est que moi, le côté prince, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas assez... C'est pas assez thématique, quoi. Enfin, genre, je pense qu'il... Pour moi, ça manque d'un truc, tu vois. C'est ça, le truc, c'est... Un petit truc en plus, quoi. Tu vois, genre, s'il était, genre, prince de glace... Ok, mais pourquoi est-ce que sa petite mascotte c'est un slime, tu vois? À ce moment-là, je me serais dit, attends, c'est un peu bizarre. S'il serait vraiment prince des neiges, alors je sais pas, j'aurais fait des petits bonhommes neige, j'en sais rien, un symbole neigeux, un truc spécifique ou genre tu vois quelque chose, un truc en or parce que c'est un prince et tout et tout. Tu vois, j'aurais peut-être poussé le truc un peu plus loin. Si c'était genre un prince des slimes, là il y avait un thème un peu plus différent et tu aurais pu aller vraiment beaucoup plus loin, tu vois. Genre, tu vois, il aurait pu avoir, tu vois, des gouttes de slime sur lui. Il aurait pu avoir, je sais pas, avoir des trucs un peu plus spéciaux, un peu plus spécifiques. J'en sais rien, tu vois, c'est même le bas de son corps, ça aurait pu être un slime, tu vois. Mais, tu vois, c'est ça, le truc, c'est... Je me rends compte qu'en fait, au fur et à mesure, il faut avoir un thème qui réellement suive bien la chose, quoi. Enfin, genre, si tu veux avoir un modèle qui soit mémorable, il faut que tu aies des choses qui, littéralement, se suivent. Aille avec. Tu vois, tout le thème, c'est un univers, en fait, littéralement. C'est vrai, le slime est hors thème. Pour moi, le slime était assez hors thème. Mais tu vois, c'est juste lui, il aimait bien les slimes. Heureusement, il s'est arrêté. Les slimes touchy, tu vois. J'aimais bien ce collègue. Je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas ce qu'il devient, mais j'aurais vraiment voulu être un peu plus proche de lui. Ça a l'air d'être un super gars. C'est lui qui avait aussi donné vraiment envie à beaucoup de nos VTubers FR de devenir VTubers. Par exemple, je crois que parmi eux, il y avait Pawa et Aquaqua, si je dis pas de conneries. Enfin bref. Ouais, ce que je dis, c'est qu'actuellement, pour moi, je pense pour qu'un VTuber, en termes visuels, marche bien, il faut que tu aies un thème, un univers qui soit en accord, qui aille bien ensemble, tu vois. Alors, ce qui se passe, par exemple, pour moi... Moi, actuellement, j'ai pas grand-chose qui est en accord. Tu vois, dans ma tête, quand j'ai commencé le VTubing, j'étais un peu perdu, on va dire. Je dis, ok, je vais être un paresseux parce que les paresseux, ça me fait marrer. Et j'ai bien la couleur orange, donc je vais mettre un peu d'orange par-ci, par-là. Ah, mais en ce moment, j'ai les cheveux noirs à blanc et je trouve ça giga stylé, donc je vais mettre les cheveux noirs à blanc. Et tu vois, j'ai juste mis des éléments qu'il y avait à gauche, à droite, que je trouvais cool. Et tu vois, à la fin, bon bah, ça m'a fait mon aspect. Mais tu vois, j'ai pas non plus quelque chose qui se démarque réellement. Genre, réellement, j'ai pas grand-chose qui se démarque. Et un truc qui s'est passé entre temps, c'est qu'en fait, j'ai eu lui. J'ai eu mon petit pote. J'ai eu l'acolyte. Et l'acolyte, il a quand même mis une certaine... Il m'a quand même orienté vers un bout de thème pour de vrai. L'acolyte, il a quand même été assez intéressant. Parce qu'au fur et à mesure, le délire du singe est arrivé. Moi, ça m'a fait marrer, donc pourquoi pas. L'idée des feuilles que je mange et que j'avais un peu à gauche, à droite, bah, ceci, ça m'a fait marrer. Enfin, genre, dans mon thématique, on peut voir... Putain, bordel de merde, j'ai fait de la merde. Ok, bon, merde. Voilà, on voit que dans ma poche, j'ai des feuilles. Tu vois, littéralement, parce que c'est un truc que j'utilise pour becter, quoi, pour manger. Parce que les paresseux mangent des feuilles, avant tout.
Donc voilà, c'est pour ça que même mon petit acolyte, il a une feuille sur la tête. On voit au fur et à mesure, mon thème est en train de se développer. Et avec mon... avec mon modèle 2D, je voulais un peu plus affiner un thème et aller plus vers ce côté-là. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train d'y réfléchir, que je sais pas encore exactement comment bien entièrement le gérer, mais je me rends clairement compte que le thème, c'est vraiment important. Ton univers, ton thème est extrêmement important. Le fait que je sois un paresseux, c'est quand même un truc qui, genre naturellement, en fait, ça me représente, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement paresseux overall, je fais pas grand-chose, et je suis la plupart du temps extrêmement chill, quoi. Enfin, genre, je fais des trucs... j'essaie de mettre bien la son. J'essaie de faire des trucs qui sont quand même calmes, tranquilles et cool. C'est... voilà. Certes, je joue à des jeux de combat qui sont extrêmement... extrêmement dynamiques. Je joue League of Legends avec Shaco qui est extrêmement dynamique. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis un peu l'inverse de la chose que je suis. C'est un peu bizarre. Parce que même dans mon gameplay, dans la plupart des jeux, je suis assez rushdown. Enfin, ça dépend. Enfin, bref. Bon, tout ça pour vous dire que même en termes de nature, je suis assez cool, assez tranquille. Donc le paresseux, ça m'allait plutôt bien. Ce qui m'est passé dans Zootopie, qui conduit une voiture de sport. Ah, et Flash, le meilleur. Je vais réfléchir pour rester focus sur mon thème et pas dévier sur autre chose entre-temps. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est important. Faut que t'arrives à avoir un truc qui soit assez bien, tu vois, genre un mot-clé que tu arrives à garder autour et que tu peux genre aller à gauche à droite mais que ça reste en lien et pas que ça aille trop loin. Pour revenir sur Rosemi, elle, en anglais, au lieu de dire how is it going, elle dit how is it growing. Growing qui en anglais veut dire bah comme une plante qui grandit en fait. Et ouais, le thème est encore là. Et là, ça fait mal que tu parles de Zootopie parce que le jour où je voyais des bandes au rythme du paresseux, j'avais trop envie de faire un. De faire un voice acting sur Flash, ça me ferait trop rire pour de vrai. Mais bref. Ouais, moi-même, faut que je réfléchisse un peu plus et je fasse tout comme faut. Ça serait incroyable. Bah pour vrai, ça me fait rire, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut quelqu'un qui fasse Nick et quelqu'un d'autre qui fasse Judy, je crois qu'elle s'appelle. La Lapine, non? Rabbi. C'est bien Judy? Ah, c'est Judy, ouais, c'est ça, Judy Hopes. Ça aurait été extrêmement drôle pour de vrai. Et ouais, non, pour moi, je pense que si tu veux te créer un modèle, il faut à tout prix que tu gardes en tête un thème. Genre, tu prends les trucs que tu aimes, que tu préfères, et que genre, tu vois ce qu'il y a autour, et ce qu'il y a en lien, et ce que tu peux ajouter, ce que tu peux mettre dedans. Vraiment. C'est-à-dire, on tient un concept, Zlaban. Que je fasse la voix de Flash. Recevoir Zootopie. Bon, ouais, ça pourrait être drôle. Moi, ça me ferait beaucoup rire de le faire. Ça ferait beaucoup rire de le faire. Genre, je sais pas, je demande à... Anna et Yuki. Ça serait quand même drôle. Moi, ça me ferait rire. Faut aussi une quatrième personne parce que je crois qu'il y a... Je crois qu'il faut que quelqu'un fasse... comment elle s'appelle ? Priscilla, qui est aussi la paresseuse à côté à laquelle il fait la blague aussi, Flash. Pour moi, ça me ferait rire. Pour moi, il faudrait le faire. Ça ferait beaucoup, beaucoup rire. Bon, sur ce, pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là, les collègues. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir. Donc bref, on se trouve demain soir, 23h, pour encore une fois la suite de Classroom of the Elite. Et d'ailleurs, entre-temps, la semaine prochaine, je serai beaucoup plus actif. J'ai prévu 2-3 collabs. Je commence à reprévoir des streams un peu plus... pas dynamiques, mais après à poser en vidéo, etc. Donc normalement, la semaine prochaine, je serai beaucoup plus actif. Je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif. Bref, sur ce, pour l'instant, tout le monde, moi je vous dis, c'est une bonne soirée. On se retrouve demain soir, 23h, pour la suite de Classroom of the Elite. C'est en train de cocher à être pas mal, là. Et donc bref, allez. Salut tout le monde, je mets une musique avant de finir. Vas-y, je mets celle-là. Salut tout le monde. The mic.
fight twice.